Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen où nous allons tester ce matin ensemble le PTU 3.15. Et j'ai la voix pétée parce que hier soir on a fait 9 heures de stream. Donc je suis désolé, c'est la voix du matin. Il va falloir que je boive quelques cafés. Mais ça va marcher. Est-ce que vous avez bien dormi? Bonjour Bedrim. Je pensais que ça irait mieux la voix que ça. Elle est défoncée. Et donc je vais être rejointe par Eno ce matin. Donc ouais, ensemble. À la base j'hésitais en fait à créer le personnage sans vous, mais je me suis dit, ce serait une erreur parce que j'ai envie de vous montrer le processus complet. Par rapport à la 3.15, et donc déjà rien que l'écran de démarrage où il y a eu des changements. Salut Nastyena. Vous pouvez entendre Eno à côté. Salut Trispal. Le bonjour de Nastyena. Mais attends, il t'entend pas de le Vas-y. 1, 2, 1, 2. Oui. C'est bon. Alors, je crée un lien de multistream. Pourquoi Batou? Caméra qui est en train de surexposer. Tu vas brûler Roxy. Voilà. Un peu plus et on avait de la lumière du soleil qui rentrait. Ouh. Bonjour Clyde. Merci. Petit stream. Bon. Ça, Camille. Je précise qu'une fois de plus, pour cette vidéo, j'ai activé le live sur. Et sur Twitch, étant donné que là on en parle vraiment dans sur la 3.15 et que j'aime bien faire une première découverte, justement, et le mettre en place. Donc voilà, comme ça, le stream est fait pour les deux. Ok, donc moi je vais lancer mon stream aussi. Alors, peux-tu me faire un petit résumé d'hier? Alors, je vais faire un petit résumé vite fait. En gros, une CitizenCon en demi-teinte, beaucoup de panels très techniques qui d'habitude étaient des panels secondaires, pas de grandes nouvelles sur des dates ou des choses comme ça, même si on a vu que quelques présentations de démos. Je m'entends vachement chez Eno de nouveau, il faut que tu règles ton gate sur Discord. Alors. Hier, on avait réglé. Sur Discord, il y a une page de chez la tête de Roxy. Mais par contre, la démo était vraiment impressionnante. Surtout qu'on voyait que c'est quelque chose qui n'est plus très loin. C'était pas quelque chose de fake. Donc, ouais. Au niveau de la démo, c'était vraiment très, très, très impressionnant. Voilà. Mais un peu en demi-teinte. Technique, on a vu où va le jeu et où ils sont. Donc sympa. Oui, tout à fait. Et comme je disais, en fait, moi je préfère une CitizenCon digitale comme ça, où ils essayent pas d'en faire trop. Parce que de toute façon, ils arriveront pas à la hauteur de l'événement présentiel. Et qui se concentrent sur le dev du jeu. Plutôt que d'essayer d'en faire des caisses et que ça marche pas. J'ai la voix pétée, c'est une catastrophe. En même temps, on a parlé pendant 9 heures d'affilée hier. C'était quand même un peu la violence. J'ai mon truc qui est en train de merdouiller grave. Alors, il y a le Libérateur qui arrivera avant le Kraken, j'espère. C'est possible. C'est possible. Effectivement, il y a eu l'annonce du 400 et du Libérateur. Alors, on va créer un personnage.
Et bien du coup, moi j'attaque avec la suite. Moi je t'attends. Je t'attends pour la suite. On va le faire ensemble. Coucou. Et pour une fois, je vais faire un personnage à la va-vite. C'est bien. Merci Magen. Bon matin à toi aussi. Et donc maintenant, quand on se connecte, il faut sélectionner là où on va habiter. Mais cette fois, c'est un vrai impact. Puisque ça va nous lier aussi à un hôpital. Tu veux qu'on aille où, Eno? Je sais pas. Moi, j'hésitais entre New Babbage et Aria 18. Je comprends. C'est le bazar, l'inventaire, j'ai essayé vite fait ce matin. Voilà. Et j'ai le chat de Roxy. C'est dommage, il avait l'air cool. Moi, je serais peut-être... Oh, c'est comme tu veux. Moi, je suis plus New Babbage, je crois. Ah, je l'ai un peu nommé. Je suis un peu plus New Babbage, mais... Ah, mais j'ai pas mon micro sur mon chat. Oh, voilà. Mais ça va... c'est beaucoup mieux quand même. Pas encore lancé la main, je verrai cela au retour des vacances. Oh, t'es en vacances, bonnes vacances. Bien. T'es parti où? Alors, New Babbage? Plutôt New Babbage, effectivement. Alors, moi j'habite à New Babbage. Parce que ça, c'est la sélection de la résidence. C'est ça. C'est encore plus que juste sélectionner là où tu pop. C'est ça. Alors, du coup, c'est New Babbage. Il y a un hôpital à New Babbage. Bonjour, Tomirma. Non. Si, ah. Attends. Non, c'est Aria 18 qui manque et Orville. Donc New Babbage, c'est bon. New Babbage, c'est bon parce que je voudrais quand même... De toute façon, faut qu'on lance une première fois le jeu. Alors, 7 at primary residence. Et donc voilà, on doit confirmer que c'est bien là où on veut vivre. Alors ça, c'est nul par contre. Lancer une fois le jeu, ouais, sans pouvoir rejoindre ses potes, c'est nul, ouais, nul. C'est un peu pénible. Après, bon, c'est une alpha. France, je suis sur Montréal en temps normal, mais tu voulais pas partir en vacances, du coup ? Honnêtement, je crois pas que je choisirais la France comme pays de vacances. Bah, c'est bien si tu veux voir les gens dans Kaamelott, quoi. Les ruraux. Mais sinon... pour Squadron 42, tu penses que l'on va avoir des nouvelles? Bah, étant donné que la CitizenCon est terminée, non. Après, si on regarde le Progress Tracker, on voit que la plupart des niveaux sont prévus pour être terminés en décembre. Donc là, c'est pas une estimation de leur part ou machin, c'est vraiment leur plan de travail. Donc techniquement, au niveau du level design, ils ont fini en décembre. Est-ce que ça veut dire que le jeu est fini? Non, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui concernent aussi Squadron 42 qui sont développés là actuellement par rapport à l'IA et tout ça. Donc ce qui nous intéresse, par rapport à Vertical Slice, c'était en décembre. Mais c'est quoi le rapport? Étant donné qu'il y a encore pas mal de boulot sur les IA et ce genre de choses, je dirais qu'on peut estimer que ça passe en phase bêta fin Q1, fin Q2, en gros. Est-ce que la bêta change quelque chose pour nous? Non, parce qu'on n'y aura pas accès. Ensuite, sur un jeu tel que celui-là, on peut imaginer minimum 6 mois de bêta. Donc ça veut dire que de toute façon, le jeu en soi, on ne voit pas avant 2023. Généralement, ils donnent des infos sur Squadron 42 en décembre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. C'est-à-dire que ça arrivait deux fois qu'ils le fassent en décembre. Et sinon, il n'y a plus jamais eu d'infos, quoi. Avant, c'était dans les Around the Verse. Et c'est tout. Après, il y a un peu dans les Monthly Reports.
Y a pas vraiment non plus de règles. Salut Gothicat. Petite question qu'on a déjà dû pas mal te poser ce matin. Quel est ton avis sur la CitizenCon? Une CitizenCon très en dessous de ce qu'on avait l'habitude de voir. Une démo beaucoup plus satisfaisante de ce qu'on avait l'habitude de voir. Moins dans la démonstration, moins dans le fake, j'irais. Plus dans le concret, ça me plaît. Donc en fait, déçu, mais contente d'être déçu. Donc Harry va souffrir, mais il va être heureux de souffrir. Alors on va faire ça. Et merci Gothicat. Ça faisait 2 ans que j'étais pas venu voir la famille, on va dire, des semi-vacances et le Japon est fermé donc je peux pas y aller. Ah ouais, ça c'est triste. J'avoue que je choisirais le Japon aussi. Pas encore sorti de la chambre. Après dur de communiquer sur Squadron 42 sans faire de spoil, c'est quand même un jeu en mode histoire tout à fait. Ouais, je pense qu'on va retourner sur le menu. Je check si on n'est pas sur le même serveur. Des fois que. On va retourner sur le menu. Ah, il y avait Philzor que je viens de voir. Bien, excite ton menu. C'est parti. Alors, CIG, vous vouliez améliorer l'expérience de connexion pour le joueur. Là, c'est raté. La fête au 30K, c'est normal. On est en vague 1, il faut s'y attendre. Ah, mais justement, je viens de voir que t'étais sur le même serveur que moi, Philzor. Bonjour Grobax. Gobrax. Ok. Eh bien, je suis donc @friend. C'est ça. Enola Rotule. Roxy. Ben, j'attends que tu me. T'as envoyé une invite. Moi aussi. J'ai pas reçu. Hop là. Okay. Je pense que c'est comme tu l'as envoyé avant. Mm. Il y avait déjà une invite. T'es invité. J'ai accepté. Salut Lilou. T'as vu comment je suis sympa avec toi? Merci. Et on y retourne. Coucou les loups. Après, la persistance fonctionne pour le coup. Dans quel sens? D'aller. Cool. Où c'est la Guy? Allez, vas-y, charge. Oui. Bonjour Bobby Boulon. Oh, ils ont rajouté un petit effet d'ombrage sur l'interface partout, c'est super beau. Ah, on va faire un premier truc. Test de jeu. C'est ça. Pour mourir. Il se passe un truc très étrange. Quand je fais l'écho, je reviens à l'endroit pile où j'ai eu ma 30K. Oh, ça c'est cool. Ça c'est génial par contre. Alors, je pensais essayer de me suicider... Ah, j'ai la porte qui a disparu quand j'ai ouvert le placard. Oh, elle se range sur le côté, ok. Génial. Normalement, là, je devrais perdre ma combinaison en plus, aussi. Pas mal, moi je teste les boutons lumière. Ow. Mes chers parents, je vole. Je vous aime, mais je vole. Ils ont trippé avec les chprettes. Mais vous êtes 55 ce matin. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour un stream matinal. Et d'ailleurs, combien de mobiles? 3 ce matin. Ah, du coup, oula, attends, si. C'est marrant, j'ai eu un message comme quoi le lit avait restauré ma vie.
Moi, je joue en alpha. Alors, recovering and regeneration fees have been covered by the UEE. As a courtesy, a flight suit and helmet have been placed in your local storage. D'accord. Ça, c'est rigolo. Donc, en gros, mes frais de régénération ont été payés par l'Empire. Et par politesse, une combinaison et un casque ont été placés dans mon inventaire. Un test du système de santé, exactement, je teste la sécu. Beaucoup une knowledge. Donc là, on voit mon pseudo. Alors... Ah. Non. Je peux gérer mon truc. Alors, je te vois là-bas, à 224 mètres. Ah, d'accord, donc faut venir dans le lit pour faire ça. Alors, par contre, s'il faut venir dans un lit pour faire ça, je suis pas fan. Dans le sens où il y a une forme de démarche administrative, j'aimerais bien que ce soit plus, par exemple, avec un médecin ou un écrouailleur. Salut tout le monde, désolé si je suis pas passé depuis longtemps, mais je suis pas mal occupé en ce moment et plus trop le temps de venir sur Twitch, mais là, c'est dimanche. Ne te justifie pas, Unknowledge. Ça me fait plaisir de te voir quand tu es là. Et quand tu es pas là, bah, c'est que tu fais autre chose. Oh, on vient de me donner une chambre à l'hôpital. Floor 5, room 3. Comment ça, on t'a donné une chambre? J'ai cliqué sur le panneau de check-in pour voir ce que c'était. Ah! Donc il me dit que je peux aller dans floor 5, room 3. Donc là, c'est restreint. Bon, en gros, restricted. Je suis soigné. Ah, il y a le lit qui descend. Oh, il y a des petits bugs sur les fringues. L'ascenseur. Oh là, la combi, elle est... Coucou, Lilou. Elle est... Alors. Elle est bouffante. Lourd. Il y a quelques problèmes sur la tech de vêtements, je crois. Oh non, je suis déçu. On voit pas l'arrêt des fesses. Par les démarches administratives au lit, tu déconnes, c'est le pied. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tour 5, room 3, donc 501 à 505. Oh, c'est bon, c'est pour avoir évité de payer du personnel. Bonjour. Merci pour le suivi, cauchemar. Merci beaucoup. Bonjour. La chambre 503, c'est ma chambre. C'est la tech gros cul, c'est ça. Et je suis dans la chambre 503. Alors, allez, on va tester l'inventaire. Plutôt rapide en vrai. Oh, beaucoup trop d'objets. Beaucoup trop d'objets. Alors, on va tester le filtre. Y'a pas les lunes. Oui, je peux revenir en arrière. Ah, faut appliquer. Oh, c'est tellement classe. Je trouve ça un peu con qu'il faille appliquer les filtres. Je veux pas qu'ils soient en dorel. Et par contre, il n'y a pas les lunettes. Alors, donc on va mettre un t-shirt. La marche grave. Waouh. Il se passe des trucs. Salut Thor! Et salut Cauchemar! Ah! Attends, il y a un bug parce que il n'y a pas assez de place. Mais il fouille tellement que j'ai dans une boutique. Ça n'a pas l'air de marcher. J'ai l'impression que je suis à poil. Ça marche. Hein. Marche toi l'inventaire? Ouais. Moi ça marche pas du tout.
Je viens de me changer, j'ai enlevé ma combi. Ah, attends, le chapeau fonctionne. Je peux mettre picot. Le picot, je le garde là. Tout ce qui est sur le torse, ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Et j'ai à nouveau mon Woblast. Oh, je peux avoir un pistolet. Alors, on va essayer le pantalon. Tu sais à quel étage t'es ou pas? Pas du tout. Oh, je peux mettre des choses dans les poches de ma veste. Nickel. Ouais, on va essayer clic droit équipe. Hein. On a toujours ces sous-vêtements moches et dépareillés vu le futur. Tu fais en glisser-déposer, ça marche pas? Non. Équipe, ça marche pas non plus. En fait, moi j'ai dû. Fallait vraiment viser le petit point quand je faisais glisser-déposer sur le personnage. Et, sauf que le petit point, ça me le met dans les mains. Bah, qui est embêtant? Ah, on va essayer une combinaison. Ah, la combinaison, ça a l'air de marcher. Oh, j'ai oublié de mettre des chaussures. Je suis pieds nus. On va retenter du filtre, du coup. Jambes. Ah. Corps, helmets. Ils sont où mes gants? Ils sont passés où mes gants? Mais qui a besoin d'autre chose qu'un beau chapeau pour sortir? On peut voir ça comme ça? Voilà, mes gants ils sont là. Ok, donc ça marche. Et il me manque juste des... Par contre, c'est l'enfer pour trouver les objets qu'on veut. C'est vraiment ce que je craignais quand ils avaient fait la démonstration. La première réflexion que je me suis faite, c'est ça va être un enfer pour tout trouver. Et je confirme, c'est un enfer. Ça va parce que j'ai beaucoup moins de bordel que toi. Tiens, ouvre-moi la porte de ta chambre. Salut Archange. Gestion d'inventaire, là, c'est le nouveau gameplay. Et non. Nous devant la porte de ta chambre. D'accord. Je peux pas rentrer parce que c'est pas ma chambre. Encore heureux. C'est à 506. Bonjour, je viens voir Roxy la Rotule, elle m'a dit qu'elle était chambre 506. Ah, attends, on va essayer de chercher les backpacks. Est-ce qu'il y a un raccourci pour ouvrir l'inventaire personnel plutôt que de faire I F I simplement. Oui, en même temps. Donc là, il n'y a rien de spécial. Alors, on va voir les armes. Stock. Ah, alors, honnêtement, le filtrage... Pas fan. J'ai pas de chapeau. Ce qui est bien, c'est que t'es pas en dictature. Pas de chapeau rigolo. C'est pas un salvo. J'arrive pas à voir en fait. Enlever le filtre. Alors, non, c'est un arc light pistol. Ah, mais j'en ai un beau qui change de couleur d'arc light. Et c'est. Faut que j'aille faire les boutiques absolument. Hein. Lui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de muni. Ouais, non, mais on va aller voir les munitions aussi. Tellement smoothie chez moi. Ouh. C'est plus un inventaire, mais une armurerie. Non, mais c'est complètement excessif, on est d'accord. J'ai beaucoup trop d'armes, j'ai beaucoup trop d'objets, c'est n'importe quoi. Merde, je te vois plus. Et par contre, j'ai pas tous mes couteaux. Oh, j'ai pas tous mes couteaux. Élévateur. Ah non, si t'es là. La déception. Mais après, on voit que ça marche à peu près correctement. Ouais. Et c'est pas la folie, mais... Oh, je vais ramasser un truc. C'est quoi?
C'est des vitamines, je crois. T'as trouvé de la drogue? Ouais, c'est la fièvre Lando. Hop! Je viens de jouer des médocs. Et la fièvre Lando? Bonjour, je suis dans un magasin ambulant. Ouais. Bonjour, quel gars. Bonjour. Bon, par contre, le pseudo des gens avec qui on est, c'est vraiment pas mal. Et là, ça marche. Le petit ombrage, il est génial. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais on se croirait, par contre, dans un vrai hôpital. Hein. Ouais, ouais, ouais. Coucou. Coucou. Y'a Eno, elle a pas de style. Mais c'est surtout qu'elle a pas, elle a pas un abonnement depuis 3 ans et des subscribers gift plein ses poches. Non, c'est juste que les gens ont pas le droit de voir mon visage, c'est tout. Ah oh non, je peux pas prendre le déambulateur. J'ai tellement triste. Elle va se balader avec un picot sous le bras en mode Mandalorien. Salut Jean-Claude Vandoul. Et Eno, est-ce que je peux te casser la jambe pour la science? Non. C'est pour le travail. Pour le travail. Eno, est-ce que je peux te déambuler? Attends. J'ai pas le droit de m'allonger dessus. Gurney must be stationary. C'est quoi Gurney? C'est le brancard. Vas-y. Je crois qu'il y a un bug. Ah, il doit bouger légèrement. Je vais le bouger. Ah, toute Mimi, l'avatar d'Eno. Ouais, pour une fois. Ah! Vous avez vu, elle a essayé de me tuer, on est d'accord? Oui. Oui! Oh là! Oh la vache! C'était violent. Vas-y. Ne vous inquiétez pas, je suis médecin. Excellent! Tout va très bien se passer. Alors comme ça, on dirait que cette porte mène sur rien, sur un grand vide. Mais détrompez-vous. Tu me balances dans le vide, ça se payera très très cher. Je suis médecin, ne vous inquiétez pas. Salut Jaffa. Jaffa, crie. Voilà, je vous dépose ici, ne vous inquiétez pas, quelqu'un va venir vous chercher. Bah, emmène-moi dans l'ascenseur. Oh, il y a un fauteuil roulant. Ouais, mais on peut rien faire avec. On peut rien faire avec. Hein. On peut pas courir, Bobby Boulon. J'aurais adoré, mais j'ai pas pu courir. Ah, c'est parce qu'il y a une animation, normalement. Parce que normalement, il a une animation. Et c'est parce qu'il était pas dans sa bonne forme. Hein. Bon. Bon, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on s'en va? Bonjour! Là, on prend l'ascenseur, ici. J'appelle l'ascenseur. Est-ce qu'il faut qu'on fasse le check-out? J'ai vu des panneaux de check-in, j'ai pas vu de panneaux de check-out. Ça, c'est l'enfer dans les hôpitaux en France. Hein. Le truc qu'il faut faire pour avoir le droit de sortir d'un hosto. Papier, mais c'est pour ça que la France va mal. Ah non, mais les paperasses. Merci pour l'abonnement Prime, Ethic Nox, merci beaucoup. L'abonnement Prime, depuis l'abonnement Prime. Ah, on peut aller à la pharmacie. Oui, pharmacie. Bonjour. Pourquoi tous les PNJ ont des nouvelles coupes de cheveux et pas nous? Alors, de drogue. Qu'est-ce qu'on va acheter? Alors, de l'adrénaline. On prend une bonne dizaine. Hein. On sait jamais. Des stéroïdes. Ah oui, c'est vrai que l'inventaire est limité aussi. Hein. On va vite voir à quel point on arrive à un truc limité. Bah là, ça va dans l'inventaire local du lieu, non? Quand tu on peut faire de la détox. Bah non, quand t'achètes, logiquement, ça va sur toi. Je sais pas. Ah, c'est une bonne question. Bah, on va voir ça. J'espère que tu as payé ta sécu.
J'ai peut-être oublié. Et un oxypène. Oh. Oui, la vigarde. Oui, le pistolet. Je vais en acheter deux parce que je vais forcément le perdre en mourant. Et du coup, j'ai quoi? Oh, la caméra, elle a pas aimé la blague. Alors ça, c'est très con, je trouve que ça va dans le local. C'est logique, en fait, parce qu'ils auraient eu, s'il y avait des problèmes de place, ça aurait créé vraiment des conflits insolvables sur toi. Waouh, l'inventaire, c'est chaud. Donc, t'as acheté le pistolet aussi, médical? Non, pas encore. Hop là. Hein, c'est nous a disparu. Ah non! J'ai voulu le faire sur toi, mais ça l'a fait sur moi. Bon bah, on va tester plein de mélanges de drogue. Hein. Ah, alors ça, c'est bizarre. On est obligé de réouvrir le filtre. Et de le réappliquer. Oh, c'est tellement la pénibilité. C'est horrible. En vrai, je trouve que la navigation... j'aime bien le système d'inventaire, le glisser-déposer marche bien. La navigation est catastrophique. En fait, c'est assez marrant parce que finalement... Moi, je crois qu'ils ont mis des vrais objets 3D pour les images des miniatures d'inventaire. Oui. Et c'est pour ça, parce que du coup, ça rame pour l'affichage. Et... Là, j'avoue que des faudrait un JPEG. Oh la vache. Effectivement, quand tu scrolles. Je suis complètement drogué. Je tiens à ce que tu le saches. Oh la vache. Oh, c'est violent. Moi, je crois que j'ai perdu mon pistolet jouet. Je suis dégoûté. Alors, j'ai essayé de l'acheter. Oh. Ok. Sur life. Oh, même sur les écrans, c'est un enfer. Ah, ça, c'est le truc pour le multitool. Et les recharges. Oh la vache! Oh, c'est l'enfer. C'est impossible de cliquer. Non, pas max. Non. Ça fait beaucoup trop. Ah. Mais c'est parce que je suis drogué. Le rapport Kingston. C'est pour la science. Voyons. J'ai pas fait gaffe, mais ton tweet sur l'onglet About de ta chaîne YouTube est incomplet. Il manque link vers Roxy la rotule. Ah, merci. Ok, je le mettrai. Merci beaucoup, chevalier. Alors, j'ai eu mon premier bug. J'ai voulu équiper un pistolet médical à la place de mon pistolet à fléchette. bonjour. De l'extérieur, c'est génial. Bonjour. C'est,
C'est absolument génial quand on te regarde de l'extérieur. Attends, je vais faire de la détox. Ça n'a absolument pas marché. Le monstre trois visages est de retour. Attends, y a pas de place ? Ah, c'est parce que j'en mets plein, c'est pour ça. Vite. Voilà. À chaque fois, je fais échappe, d'habitude. Attends, je vais me détox. Absolument pas marché. Ah si, ça diminue, tout doucement. Mais ça diminue. Bon, en priorité, faut pas les mélanger. J'ai la souris tout à fait narmol. Je suis tellement bourré que je vois Eno à poil. Et c'est pas t'es bourré, je suis à poil. Ah, bonne question. Attends, je vais te dire ça. Ah non, les emotes sont normales. Donc il y a un petit truc un peu étrange. Mais par contre, elles refonctionnent. Ça, c'est le bon point. Alors, par contre, moi, j'ai un petit bug. Ça fait un truc très étrange, je m'en fous, je te casse la gueule. Alors la question c'est, est-ce que ça aurait jeté les trucs par terre? Quelle horreur! Oh mon dieu! Horrible! Oui, ça a jeté mes trucs par terre. Pourquoi tu les as jetés par terre tes trucs? Non, c'est pas mes trucs. Non, ça c'est moi. C'est moi quand je me suis togué. J'ai essayé d'équiper mon pistolet blaster. Ouais. Et juste, il a dit mon pistolet médical. Je vais gerber, je crois. Et c'est violent le matin. Vous êtes 89. Tout le monde. Faut faire les oreilles. Wout. Est-ce qu'on sortirait pas de l'hosto? Si, je te suis. C'est par là. Je connais le chemin. C'est pas moi qui fais ça. Tu marches pas droit, Roxy. L'animation est vraiment pas mal. Oh, l'inertie. Oh la vache, l'inertie quand t'essaies de tourner, c'est une catastrophe. Aïe! Ah, wow, ça c'était horrible! T'es tombé? Non, tu m'as poussé. Non, t'es tombé toute seule. Non, tu m'as poussé. On va au commun? On va faire les boutiques? Ouais, on va aller au commun. Mais après, tu vois, c'est là que tu vois que être subscriber, au final, ça donne un avantage quand même. Parce qu'avec un wipe. Moi, je vais pas vraiment repartir de zéro. J'ai une armure, des armes. Je peux aller faire des missions au final. Bientôt, on aura une invasion de zombies dressés. Tu vas voir tous les joueurs comme ça en train de marcher. Allez, hop. Est-ce que t'es certaine que je peux pas te casser la jambe pour la science? Eh, par contre, c'est rigolo, t'as pas mis de t-shirt? Oui. T'es une rebelle? Oui, je suis trop une rebelle. Le game designer du truc a passé ses soirées au bar pour valider. Ah, écoutez, c'est pas... c'est pour le jeu, c'est pour le travail. Donc, et c'est la facture, tu payes. J'ai des FPS! C'est totalement ça, quand tu as trop picolé, je suis sûr qu'ils ont fait picoler un stagiaire pour faire la motion cap. Bois. T'es revenu normal? Ah oui, j'ai passé le seuil des 75%. T'avais pris combien de trucs? Plein. Schlag.
Le cri des no GDFPS. Oui, en fait, à savoir qu'on vient de changer de carte graphique. On a eu un généreux mécène complètement taré qui vient de changer en fait de carte graphique et donc qui s'est débarrassé de son ancienne. Donc moi j'ai eu un petit up, en fait je suis passé à une 2080 Ti par rapport à la 2070 pardon, et Eno vient de passer d'une 1050 à une 2070. Ce qui fait qu'on peut enfin jouer, là je n'ai plus des drops dans tous les sens comme vous pouvez le voir, et Eno n'est plus obligé de jouer en 720 5 FPS. À 5 FPS. Ce qui fait que ce matin je peux jouer devant vous sur YouTube et sur Twitch sans être en train de pleurer et de galérer, et donc merci. Toi-même tu sais. Bonjour la citizen. Mais sauf que je vois aussi, tu perds même tes objets pledge quand tu meurs et que tu en as sur toi. Ils sont en train de voir comment améliorer cela. Ils restent quand même dans le hangar du site, mais pas plus les infos pour le moment. Alors de ce que j'avais vu, en fait, ce qu'ils voulaient faire en gros, c'est que tu perdais les objets, mais tu pouvais aller chez un marchand et aller les récupérer, en fait. La piste qu'ils étaient en train de choisir, c'était ça. Alors moi, je vais sûrement péter mon personnage, mais je pense qu'il faut le faire. C'est voir si le mobiglas fonctionne quand on le change maintenant. Je comprends. Je vais aller acheter un mobiglas. Je viens avec toi. Allons-y. Moi je redécouvre tous les lieux là, de toute façon je peux aller où tu veux. Tout m'a l'air magnifique. Alors ils hésitaient en fait en deux trucs, soit gratuitement, soit une grosse réduction. Donc en gros payer un tout petit truc pour le récupérer, mais pas forcément grand chose. Muse Teampod. Ok. Et je vais prendre un blanc. Acheter des mobiglas. Hop, on a acheté le mobiglas. Inventaire. Est-ce qu'on filtre pas du coup? Ah, moi je scroll. Ah, ça doit être dans technologie. J'ai eu gadget. T'es à combien de pourcentage au-dessus dans le mobiglas local, toi? Dans l'inventaire local? 34%. Oui, c'est ça, moi je suis à peine à 14%. Le truc est blindé, rempli. Par contre, j'ai pas accès au filter là. Mais en même temps, il faut que j'emmène des trucs sur moi, tu vois. Je vais pouvoir avoir un peu de choix. Mais j'ai quand même mis moins d'une demi-heure pour perdre mon Woblast à nouveau quand même. Ok, comme une assurance en gros, je vois, ça peut être pas mal. Ouais, moi je pense que c'est vraiment pas mal comme option. C'est un bon choix. Salut Tamia. Ah oui, parce qu'en plus il a pas d'image le mobiglas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que j'emmène encore? Des attachements. Ok, apparemment il faut que je rachète un petit peu. Mais ça a l'air de marcher. Un peu de munitions. Après j'ai pas envie de mettre un sac à dos sur ce... Tellement moche. Oh, j'ai un A2. Eh ben, écoute, j'ai l'impression que le mobiglas, ça marche aussi enfin, comme on passe plus par là pour équiper les objets. Ça a enfin réglé le problème. Effectivement. Salut Brélicorne, merci d'être passé. Effectivement. Salut Astalante. Bonne nouvelle, les gens, on peut enfin changer son mobiglas sans tout bousiller. Salut Tribal, vous allez tester les barmen, si c'est comme hier soir, ils étaient instant. Sérieux? Pour un coup, absolument. On va aller tester ça. Mais déjà, rien que là, hein, l'équipement des objets, ça marche. Hein.
Pouvoir changer le mobiglas sans que ça casse tout. C'est quand même plutôt cool. Ah, attends, je vais juste aller m'acheter des trucs du multi-tool. Ouh, lag. Gros prise. C'est bon. reviens. Allez, Factor Beam. Oh, une plante à couilles. Quoi? Si, là, c'est une plante à couilles. Je la reconnais. Je ne cautionne pas. Et t'es dit. Alors, non, c'est pas une nouvelle plante, ça. PTUV installante, tout à fait, exactement. C'est quasiment une centaine. C'est tellement plaisir de vous voir, matin. Ah tiens, je vais déjà aller me commander une petite boisson. Attends-moi. Alors, est-ce que la boisson... Ça va dans notre inventaire local. Big buy. Ça, normalement, je vais faire un store quand je vais l'acheter. C'est ça. Et donc, store. Bim! Bonjour, il faut essayer 5 fois whisky coca. Effectivement, on va tester le taux d'alcoolémie. Parce que logiquement, on peut être bourré maintenant. Non, on peut toujours pas stocker la bouffe comme ça. Non. Alors, on va tester quand même ça. Je peux placer ça. Oh, la pomme, elle roule. Où est-ce que t'es ? Eno ? J'ai oui. Posé une pomme, elle a pas disparu instant, elle a roulé. Elle a roulé sur le comptoir et elle s'est barrée. Merde, je crois que je viens de me coincer. Ah non, c'est toi. Oui, c'est moi. Arrête, mais... arrête de bouger comme ça. Ah, mais elle est revenue là. Alors... Exit site. Comment c'est exit site? Ah, je vais changer d'action. Alors, comment est-ce qu'on personnalise ça de nouveau? Moi, je me citrouille. Painting. Non, c'est pas ce que je vais faire. Hein? D'accord, donc je trouve. Je peux jeter. Attends, je vise la tête. Attends, deux secondes. J'essaye désespérément de trouver. Ah, voilà. Donc, ça c'est un de mes favoris. Absolument génial. Et il y a la trajectoire quand tu veux jeter un truc. Oh, what? Il y a un manuel d'utilisation pour l'inventaire. Malheureusement, non. Ah, il veut pas lancer. Alors, grab. Non. Skip. Tu mets la tête sur ta tête, c'était assez génial. What? Salut Amanda Ange. La vache, la transformation du jeu. Pour enlever mon casque, j'ai pas eu juste un vanish. J'ai mes mains qui sont allées au niveau de la tête. Du coup, en fait, j'ai vu le casque se transformer en caisse. Ouais, pareil.
Alors par contre, c'est assez étrange. Qu'est-ce qui se met dans une boîte? Je suis pas fan. Alors, non, du Cadman Knowledge. Ça, c'est ce qu'on appelle un placeholder. Il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. C'est juste que l'intérieur des casques n'existe pas encore pour l'instant. L'équipe personnage doit créer un intérieur pour chaque casque et doit avoir une physicalisation du casque. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas, ça n'a pas été fait. Parce qu'il n'y en avait pas besoin jusqu'à l'instant, jusqu'à ce moment. C'est un travail qui a débuté, mais qui n'est pas fini, puisque ça doit être fait sur tous les casques du jeu. Donc la solution la plus simple pour l'instant, c'est d'avoir ce qu'on appelle un placeholder. Donc un truc qui est mis en attendant. Et pour le coup, c'est une caisse, puisque la caisse est transportable. Ça a une physique, on sait comment ça marche, machin, c'est facile à faire. Donc, n'est pas définitif, ça va changer. C'est vraiment juste pour pouvoir commencer à mettre les features en jeu, et moi perso je trouve que c'est un excellent choix. Parce que ça veut dire que c'est vraiment comme si on enlevait le casque à la main et qu'on pouvait le transporter. Ouais, ça fait beaucoup de casques, exactement. Alors. Donc je trouve ça plutôt cool, le casque Transformers. Donc non, perso moi je trouve ça vraiment génial. Alors, à part trois PNJ qui étaient coincés les uns sur les autres debout dans un coin tout à l'heure, ça a l'air de bien marcher là. Ouais, après on est en vague 1 PTU. Malheureusement, il y a encore le temps pour qu'il meure. On se rappellera à l'époque où notre personnage avait le casque sous le bras dans les emojis. Non, mais tu as mine de rien pour la démo, ils ont pu prendre. Ah bah là, il y en a sur les chaises. Waouh, trop de lumière. C'est très étrange. Ouais. Pour la démo, ils ont pu physicaliser un des casques et pas les autres. Mais si tu as de quoi le stocker dans ton inventaire, ça fait pareil. Non, logiquement, là, on devrait passer au truc magique. Si je prends mon casque. Prends mon casque. Et je mets dans l'inventaire local. Pas si ça marchait ou si je viens de le perdre. Peut-être que je viens de le perdre. Non, il est bien là. Là, tout simplement, ça vaniche. Ah non, ton inventaire d'armure sans passer par cette interface. Je comprends pas ce que tu veux dire. Et c'est parti pour Ah, le attends, je crois sidecar. savoir de quoi tu parles, Knowledge. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. C'est fini, ça. Tu parles du truc qu'il y avait ici avant dans le MobiGlass. Ça, c'est fini. C'est de ça que tu parles. Allez, vas-y. À gauche. Parce que tu. Oui, j'ai beaucoup trop de casques en stock. Là où tu transfères les objets de stockage. Ah, mais c'est la même chose en fait, il n'y a pas de différence. Ça. Pardon, j'ai le nez qui me chatouille un peu. Ça ou ça, c'est la même chose. Il y a pas de différence. Dans le fonctionnement, c'est exactement pareil. Enfin, de toute façon, là, j'ai déjà pas la place pour le mettre. Mais de toute façon, le fonctionnement est le même. Il sert pas beaucoup de coca dans leur whisky au coca. Hein. Il est passé où le verre? Salut Jean-Louis. Bonjour. Alors. Allez, vas-y. Parle-moi, s'il te plaît, Allez. parle-moi. Ok, mais donc ça veut dire que tout ce que je vois à droite, tu l'as tout le temps sur toi? Non, à droite, ça c'est ce qu'on appelle l'inventaire local.
Donc c'est ce qu'il y a dans les villes et dans les vaisseaux. Si tu n'es ni dans une ville ni dans un vaisseau, tu n'as pas accès à l'inventaire local. Et chaque inventaire local est séparé. Donc c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai quitté New Babbage, je n'aurai plus accès aux inventaires de New Babbage. Et pour savoir ce que j'ai dans New Babbage, il faut que j'utilise l'application Nixnax. Nixnax. Attends, genre c'est un whisky coca ça? J'ai piqué des bouteilles sur le gars, sur le bar et je peux les boire. Sérieux? Non, je vais déjà boire mon... C'est des bouteilles magiques qui se remplissent. Attends. T'as des petites, des espèces de canettes de bière qui traînent sur le bar. Là, il y en a une. Tu vois, je peux pas place le verre. J'ai obligé de le voler. Pas le choix. Ah, le verre a des pop, malheureusement. C'est génial. Alors par contre, je peux pas grab quand je suis c'est proche. Ça. Tu la store et après tu peux faire drink dans l'inventaire. Non mais c'est... Ah t'es obligé de la store, tu peux pas la boire, d'accord. Tu la store et après tu peux la boire. Le truc à peine chiant. Bonjour. Ah, mon inventaire qui s'ouvre plus. Ouais. Ici. Non mais attends. Pas trop dur le réveil les filles ce matin. Ah si, en vrai c'était chaud. Salut le Monia. Alors que c'est 3.15, comment vous la trouvez? Bah pour l'instant on s'amuse bien. Bah combien en alcool? Alors je suis à 56% en drogue, mais par contre mon la touche I est cassée. Ah je n'ai pas la bouteille de bière sur moi. C'est rigolo. Moi je l'avais, je l'ai jetée et du coup elle a disparu. Je crois qu'elle est... Elle est... Je regarde, non je la vois pas en tes mains. Elle est nulle part. Et ça je sais pas ce que c'est du coup. Ah c'est un placeholder. Et les trucs que j'ai ramassés dans la chambre d'hôpital. J'en ai ramassé 3 et c'est des placeholders. Ah, ainsi donc c'était cela qui se passait pour moi quand je prenais les verres de bière en Belgique, je ne pouvais pas store. C'est exactement ça. Mais de toute façon, prochain Bar Citizen, c'est tout le monde debout sur les chaises en hommage au jeu. Allez, bah du coup on va partir vers les vis. Alors, Yep, l'inventaire personnel, est-ce que tu as sur toi donc l'ascétisme en permanence? L'inventaire local qui est dans un endroit ville. Et tu as l'inventaire, je ne sais plus le nom, qui est celui des vaisseaux. C'est pareil, c'est l'inventaire local aussi. Juste derrière toi. Ce mois-ci, c'est des t-shirts. La Citizen, attends, je vais essayer de te les montrer. Ah bah là on les a. Voilà. Attends, il y a ma caméra, pardon. Voilà, ça c'en est un, ça c'en est un. Ça c'est tous les t-shirts de subscribers. Et du coup, je pense qu'on va faire des petits tests pour la science aussi, avec l'inventaire. Bon, je te laisserai mettre un objet dans le vaisseau. Qui crée du groupe pour la science. Pour la science. Pour la science. Pour la science. Nous on fait de la science. Ah nous on fait de la science.
La science, c'est rigoureux, réfutable et reproductible. Nous, c'est de la science. Et maintenant, je suis en train de penser, j'avais acheté à boire. J'ai pas le boire sur moi. Alors, est-ce que même ça, c'est aller dans le... D'accord, donc la boisson que j'ai achetée tout à l'heure, jus de fruits, il est nulle part. Il a disparu. Attends, si, pardon. Truc pour le sustenter. Ouais, non, ça marche pas. Ok, donc le stockage des consommables, quand on achète, ça a pas l'air de bien marcher pour l'instant. Non, c'est pas le truc vert dans mon inventaire. Oui, je me suis blessé. Et ben voilà, faut que je t'emmène à l'hôpital. Je vais t'emmener à l'hôpital le plus proche à 3 millions de kilomètres. Recoucou, Janek. On sait bien, j'ai la voix qui se réveille un peu. Et par contre, avant de partir, ça veut dire qu'il faut surtout pas qu'on oublie d'emmener des armures. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est coincé dans des vaisseaux. Mais après, il y a les inventaires de vaisseaux qui sont gros et on peut faire du transfert depuis New Babbage dans le vaisseau. Et c'est là où ça commence à prendre un peu de sens. D'ailleurs, moi, je vais mettre mon armure quand on va vers le vaisseau, c'est ça hein? C'est ça. Et nous, c'est coupé avec les pluches légumes. On a trébuché sur l'escalier. Bonjour, Elendil. On y va. On va montrer ça. On fait étape par étape. Donc là, on est allé voir un petit peu l'hôpital. Et no, un peu de pudeur quand même. Oh. Tu sais que tu peux mettre l'armure par-dessus, hein. Pas obligé de tout enlever. Je viens de jeter mon truc, mon armure, et je viens de la perdre. Mais pourquoi je peux pas mettre ma gombi? Ça a l'air plutôt simple, ça va. Après, c'est vague 1 PTU, c'est toujours compliqué, il y a toujours pas de problème. Les consommables vont dans ta combinaison ou sac à dos. Mais je les ai pas vus là pourtant. Mais en fait, est-ce qu'à terme, l'inventaire local sera vraiment local dans le sens où ce qui a été déposé dans une ville ou un endroit précis, par exemple dans un placard, restera vraiment là où cet objet a été déposé ou faudra aller à cet endroit pour prendre l'objet? Oui, Sharky. Normalement, ce sera dans ton habitation, dans des casiers. Il faudra vraiment aller à cet endroit-là pour les chercher. Là, c'est juste une première étape. C'est au cas où je meurs, une balade à poil. Mais c'est quoi? C'est tes vêtements, en fait? Tu les as posés par terre et ils ont disparu, c'est ça? Non, non, j'ai essayé de mettre ma combi, mais je peux plus mettre de combi. Ah, mais tu vois, c'est ce que je te disais, j'avais galéré tout à l'heure. Mine de rien, c'est super cool de devoir se préparer minutieusement avant de partir en voyage. Ah mais ça change tout. C'est 10 ans de réflexe à désapprendre. 10 ans, j'exagère, c'est pas vrai, mais ça fait 6 ans pour moi. Mais je suis très contente de me débarrasser de l'application du MobiGlass. Je la détestais. Alors, ce que j'espère par contre, c'est qu'il laisse le temps un petit peu avec le vaisseau maintenant de se préparer justement. Et pas dégager tout de suite. Et du coup, évidemment, vous savez ce qu'on va sortir. J'ai plus aucun vaisseau. Je vois que le wipe est passé par là. Alors, je précise que ça, c'est un prêt de CIG. Engardi, c'est non. Je ne possède pas le 400i. J'ai même pas le temps de m'habiller. J'ai un poil. Je m'en fous. Il y a rien dans le vaisseau. Ah, il est out of power. Ah, faut l'allumer.
C'est génial. Bonjour Charles. Le 400 i. Le cul est beau. Ah non, mais il est magnifique ce vaisseau. Hop, on doit désapprendre à partir à la YOLO et à reprendre à nous préparer. Tout à fait. Fais-tu partie des gens qui ont été un peu déçus de la CitizenCon? Moi perso, j'aimais la démo. Pour le reste, les navires avaient déjà les infos présentées. Je comprends pas trop la fin de ta phrase. Merci pour le follow, Kylian. Merci beaucoup. Et merci pour le follow, Soen. Merci pour la beau frisbee aussi. Alors moi, je disais que j'ai été déçue, mais j'étais contente d'être déçue. Et alors, par contre, j'ai regardé le truc derrière. Moi, je me demande si on n'arrive pas à caser un petit véhicule ici, quand même. À mon avis, ça rentre. Ah, il est censé y avoir un petit bouton. Cargo, c'est ça? Ouais. Ouais, dans la soute cargo, c'est possible, effectivement. Il est censé y avoir un bouton. Là, il y a un bouton. Oh, mais carrément. Carrément, on met un... un balisa. Non, mais effectivement, un cyclone, ça, je pense que ça rentre. Un cyclone, non. 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 Et alors, donc, normalement, les boutons d'accès de la rampe sont devant. Et il y en a deux. Alors ça ouvre deux portes. Waouh, c'est beau. Oh que c'est beau. Oh que c'est très très beau. Ah, je suis remonté, j'ai pas fait exprès. Donc ça, c'est la soute AX1. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Et ça, normalement, c'est la rampe. Attention à ta tête, Eno. Ok, là, c'est pour mettre la moto. C'est ça. T'as intérêt à bien te garer. Pas te louper, hein. Et du coup, je stocke Eno. Sachant qu'il n'y a aucun passage pour en sortir. Alors, par contre, on sait pas trop quelle porte est quoi. Ça, c'est étrange. Alors, le truc qui est super bizarre... Oh, pardon. Le truc qui est super bizarre, c'est que pour accéder au casier, il faut que la rampe soit fermée. Alors... Et là, tu vois qu'ils ont galéré à rentrer tout ce qu'ils voulaient rentrer dans le vaisseau. Si la rampe est ouverte, tout ça, je peux pas faire. Bon, on va tester l'armurerie aussi, forcément. On est là pour tester sur du PTU, donc on est là pour casser des trucs, hein. Tiens, je vais déjà essayer le transfert. Alors. Ah, c'est parce que j'avais oublié d'enlever mes gants. Ok, donc là, on a... Oh, ce bug. Là, on a l'inventaire du véhicule. Oh, il y en a deux. Ah, c'est un bug rendu. Je crois qu'il y a des petits bugs sur les images. Je dis ça, je dis rien. Ah, il me casque. Alors, le 400, il peut se docker, et ça, c'est cool. Il peut déjà se docker là, maintenant, tout de suite. Oh, ce bug sur les casques. Et les miniatures ont des sacrés problèmes. Mais non. Vas-y. Alors, il est où le harvester? Ah, c'est lui. Et du coup, je vois pas tes affaires dans le vaisseau. C'est personnel.
Voilà, on va déjà tester avec ça. Ah, il me faut le casque, absolument. Donc là, normalement, si on stocke nos objets dans le vaisseau, il est détruit, on perd tout. Oui. Et là, Nil. Pour le coup, le 400 peut servir de vaisseau pionnier de luxe. On met la marchandise dans le hangar X1. Ça se tient. Tiens, on va décoller parce que... Pas trop. Faire jarter. J'ai un bug. Donc du coup, je vais vous faire la visite après. On va vite décoller. J'ai plus de jambes. Un prisonnier. Alors, hop. On va demander la permission de décoller. Mate contrôlette, c'est quoi cette pièce? Alors, Yoroxy, j'ai une petite question. Est-il possible d'upgrade mon Mercury, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire le changer pour un 400 immersé? C'est ta réponse. Non. Quand les vaisseaux coûtent moins cher que le vaisseau qu'on veut upgrade, ça n'est malheureusement pas possible. Je trouve perso que ça devrait être rendu possible et qu'il y a un remboursement store crédit, mais. Nope. Et du coup, pour faire ça, en fait, t'es obligé de passer par un store crédit? C'est ça, faut refund en fait ton Mercury. Il est possible, hein, tu demandes un refund de ton Mercury. Mais du coup, tu peux pas le prendre en Warband, donc faut être sûr d'avoir les 300 quelques dollars. Hein. Il y a deux étranges pièces en bas avec qui sont marquées Climate Controlled. Ouais, mais on va aller voir, c'est jusque là je quitte l'astroport. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi je vais voir si je peux régler mon problème de jambes disparues. Hop, on va un peu le regarder de l'extérieur, on va regarder les animations de Landing Gear. Ah merde, la porte a pas été fermée. Porte. Landing Gear. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Oh que c'est très très beau. Et on va booster les moteurs. Il manque un peu de patate. Hein. Genre, il manque beaucoup, beaucoup de patate. Alors, tu peux tester si c'est possible de ranger ton armure dans un casier, s'il te plaît. Je vais tester ça tout à l'heure. Là, comme dit, l'objectif, c'est vraiment de partir. Donc, un vaisseau mobile home, c'est aussi pas mal de risques pour toutes tes possessions. Tout à fait. De toute façon, le jeu va devenir de plus en plus dangereux. Hein. Jusqu'à maintenant, on a eu un Star Citizen vraiment arcadie, on va dire. Au fil du temps, on va se retrouver avec un jeu de plus en plus dangereux. Sortir sera risqué. Donc, pour les gens qui, comme moi, qui ont des collectionnites aiguës, ce genre de choses... Ça va être assez compliqué. Alors, il se traîne un peu du train arrière comme le 600i, je trouve. Un truc que je n'ai pas compris, que le 400i normalement Warbond est indiqué en stand. Ah, j'ai pas vu ce truc là. Le Warbond, non, tu peux pas l'acheter en store crédit.
Waouh, nouveaux écrans. Ouais, après, comme dit, il vient de sortir, on est en vague 1, donc... Nouveaux écrans. Waouh. Bon, ce qu'on voit pour l'instant n'est pas représentatif de la puissance finale du vaisseau. Certains disent qu'il n'est pas dans la veine origine, mais en fait, il a un look de bateau comme les autres. Complètement. Il a complètement le style bateau. Après, il me fait penser un peu à un catamaran à quelque part. Et les vaisseaux qui peuvent, les bateaux qui peuvent flotter. Il y a les trimarans aussi. C'est des vaisseaux qui... Oh, je vais y arriver. Des bateaux qui volent carrément sur l'eau. Et alors, elle est comment la remote? Elle est pas mal, hein. Il y a deux panthères. Voilà qui est étrange, on a perdu un peu les boucliers. Hop, allez, on va s'arrêter. Ah, j'ai tout perdu. Et moi, j'ai peut-être cliqué sur un truc, j'aurais pas dû cliquer. C'est ça, c'est Eno qui me coupe tout en fait. Yano qui fait des blagues. Hop. Et... Ouh, il freine pas. Ouais, non, pour moi, il y a un déséquilibre. On verra avec le temps, mais je pense qu'il y a un peu de déséquilibre. Hop. Salut, Dévastateur. Pour une fois qu'un vaisseau origine n'est pas luxueux, surpuissant, armé, surpuissant des moteurs et hyper maniable, ça fait du bien un peu de changement. T'as cette image des origines? Parce qu'en vrai, ils traînent des fesses, les origines. Le 600i, c'est un veau. Le 100i, plutôt aussi. Et le 315 qui s'en sort un petit peu. Mais globalement, origine. Par exemple, n'est pas à la hauteur, on ouais. La manœuvrabilité. Origine, je trouve que c'est vraiment pas le truc. Et du coup, dans l'inventaire du vaisseau, t'as pas accès à mes affaires, toi, Eno? Mais toi, tu regardes si t'as accès à mon armure jaune. J'ai rien vu, hein, donc je pense pas. Non, je pense que c'est vraiment personnel, c'est quand même lié au personnage des inventaires dans les vaisseaux. Mais justement, je vais voir, je vais te kick du groupe. Alors, disband le groupe. Normalement, t'es plus dans le groupe, est-ce que tu as accès à ton inventaire? Ça, c'est intéressant. On peut planquer des bombes. ça, c'est un truc qui a pas beaucoup de sens en vrai, du coup. Red, il a mis un sac à dos. C'est pour faire des running. J'ai invité. Ouais. J'ai invité PN. Il s'appelle PN. Oui. Ah oui, t'as un sac à dos. Alors, on attend pas Patrick? C'est ça, ne marque un troll dans le... il est un peu sous-armé par rapport aux constellations, en dehors des deux tourelles qu'il reste la même, les deux taille 4 qui sont articulés en taille 3, c'est très loin des tailles 2 et 5 et taille 4 articulées. Mais en même temps, il n'a pas de raison d'être autant armé que le constellation, vu que c'est pas un constellation. J'aime beaucoup cette réponse. Alors moi, je vais vous laisser avec Roxy. Je me remets dans le siège pour voir l'extérieur du vaisseau et je vais devoir faire des cafés, des choses comme ça. Alors, j'ai pas l'impression. Ouais, non. Je pense pas que là, en tout cas, dans ce casier-là, on puisse faire quelque chose. Oh! Oh, j'adore ça! C'est génial! Ça, c'est classe. J'aime beaucoup. Alors, close. Je peux les loquer pour pas qu'on m'embête. Ok, là il y a les toilettes avec le PQ. Et ça, je sais pas ce que c'est.
ranger les magazines, je suppose. Bah oui, j'ai cette image d'origine que je trouve vraiment trop beau en tout. Et je n'aime pas ce côté, aucun défaut. Mais en fait, justement, je suis vraiment étonnée parce que... bon stream, bonne journée, Wolfine. Oui, c'est une douche, tout à fait. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt mauvais, au fait, les origines, justement. Je les trouve pas polyvalents pour un sou, ils sont souvent sous-armés, ils ont pas beaucoup de patates. Donc, ouais, ça m'étonne. C'est le poids du luxe. Le 400i ne fait pas rentrer du RSA. Alors déjà dans le 400i, ça fait un petit moment qu'on s'est connecté. C'est du vaisseau de plaisance en fait, c'est ça. Exactement ça. Là on a encore un petit casier. Ça sert à nettoyer les toilettes, tu as le balai dedans. Là, il y a le lit. Origine, c'est la Rolls-Royce, moteur puissant mais tellement lourd que c'est pas vraiment sportif. Ouais, je... plutôt d'accord avec ça. Ah, attendez, on a un rangement là. Mais on peut rien en faire. Je pense que c'est prévu pour l'inventaire physique. Ça. Oh, encore un tiroir. Oh. D'autres boutons cachés. Je suis en train de me dire qu'il n'y a pas le bouton des lumières. En ce moment, ils mettent des boutons de lumière un petit peu partout. Ça, c'est la chambre des équipages. Chambre de pauvres. Évidemment. Les mêmes rangs. Donc ça, à terme, ce que vous voyez, le tiroir en dessous, ça ouvrira une petite interface, un petit peu comme l'interface de l'inventaire. Et c'est là qu'on pourra faire du glisser-déposer, du coup. Une cuisine! Mais on peut toujours pas faire un manger. Tristitude. Aïe. Ouais, les origines sont souvent plus chères, mais comme le dire aussi, déjà en termes de points de vie, même si c'est placeholder. Sous-armé, tu plaisantes, le 600 qui a 3 T5 pour le pilote et des missiles à gogo, c'est un vrai warship le truc, alors que c'est censé être un paquebot. Mais parce que le 600i en fait est dans la même logique que le Kony mais en plus gros. Mais si tu regardes le 315, il est à plat. Ok. Le 100 il est à plat. Le 890. Ah, le 890 ça va, il a quelques défenses mais il est plutôt fragile. J'appuie sur des trucs, mais je sais pas ce que ça fait. D'accord, j'ai éteint les lumières, c'est juste qu'on voit pas l'affichage. Bonne journée, Sharky, merci d'être passé. Rien de fou, une table, hein. De grandiose. Là, on a la future star map. Pas encore utilisable pour l'instant. La tourelle de défense arrière. Dans le cockpit, je crois qu'il n'y avait rien de spécial, non ?
J'ai pas vu les accès aux composants, donc je suppose qu'ils sont en dessous. On va aller voir ça. La boussole, la bouboule holographique qui fait trop de lumière, c'est un bazar. Je trouve dommage que les tourelles ne sont pas pouvoir se ranger dans le vaisseau comme les autres. Je comprends, après, il y a déjà vraiment pas de place. On a vraiment pas le même feeling vis-à-vis de ces vaisseaux. Non, c'est pour ça que je suis étonnée. Ce que je disais, c'est pas surprenant. Salut la Covid. Bah, pour l'instant, écoute, c'est un vaisseau qui a l'air correct. Ça, c'est un escape pod. Là, on a notre composant. C'est la même. Je pensais qu'il y aurait un panneau ici aussi, mais... Power plant. Pas de panneau ici. On dirait qu'ils se sont laissés de la place. Shield generator. Ok. Le bouclier de taille 3. Alors, ce que je trouve surprenant, c'est cette petite zone. Je me demande à quoi elle sert. Est-ce que vous avez un avis sur le chat? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pour que l'ingénieur puisse bosser tranquille? Est-ce que c'est pour que l'ingénieur puisse s'enfermer et faire son travail coûte que coûte? Garder les composants au frais. Peut-être. Il a combien de C 42. Ouah. Ok. Il y a 3 refroidisseurs. Il y a 3 refroidisseurs. Ok, ça c'est l'ordinateur. En cas de feu. Ah bah là t'as de quoi refroidir. C'est clair. D'accord, donc par contre, la moto, c'est pour la moto. Du coup, ouais, je vois ce que tu voulais dire, Amanda. Effectivement, ça peut faire office de prison. Après, il y a un bouton à l'intérieur. Donc bon, normalement, t'es pas enfermé. Mais c'est vrai que c'est surprenant, ouais. Il y a cette moto. C'est vraiment surprenant. Fermé, protégé en cas d'attaque. Possible. On a fait un peu le tour. Hein. Ouais. Alors les trucs... Les compartiments réfrigérés. C'est rigolo. Et c'est très étrange. Je me demande si s'il va pas y avoir des matières un peu sensibles à transporter. Oh là! Et je suis en train de me dire que j'ai aucun autre flingue pour tester l'armure. Ah non, j'ai pas de fusil, moi. Et donc là, du coup, on a les pelles. Oh, j'ai pas été téléporté directement sur la... Dangereux, la sortie. Je peux verrouiller la porte des toilettes. Oui, oui, on peut s'enfermer pour faire caca. Eh ben écoutez, on va aller tester un peu de mission du coup avec notre 400i. Après je testerais bien de mettre un Nox aussi. Alors, y a le... Ah, t'avais de nouveau coupé des systèmes. Oh,
pas fait exprès. Alors, ouais, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas y avoir accès depuis l'intérieur à la moto, car bon, si tu arrives sur un endroit sans atmosphère, et vu que la X1 est pressurisée, ça aurait été cool de pouvoir faire la transition sans combinaison. Restez en complet cravate. Voilà, c'est peut-être un peu exagéré. Merci pour le follow, Baron Darkred. Il y a un petit souci d'interface que je voulais dire. Après, quand je vois ce qu'ils ont réussi à caser dans le tout petit vaisseau, j'ai déjà plutôt impressionné. En vrai, ça tient la route, la théorie du feu, depuis le temps qu'ils en parlent, ça fait sens. Marque un point. UDM, local, delivery, évaluation. Ah, il y a une évaluation de livraison. Pas mal, intéressant, ça. C'est super intéressant. Search, on a toujours les états, investigation, un client qui manque. Donc, pas de soins pour l'instant en tout cas. Du mercenari, security contractor évaluation. Ah, il y a de l'évaluation chez les mercenaires maintenant aussi. Nice. Plein de nouvelles missions à Microtech. Je testerai bien l'évaluation de delivery. T'en penses? Faisons ça. Ce qui me fait marrer, c'est la température affichée sur le miroir des toilettes. Oui, mais je comprends. Oh, purée, l'ombrage partout sur l'interface, c'est le pied. Et peut-être un chouï excessif, mais c'est le pied. Et on parlait des sièges hier soir. Mmh. T'es étonné, j'aime bien le design qui fait un peu coquille. Comprends. Donc, bonjour, petit vaisseau, tout est relatif. Mais non, en vrai, par rapport à sa catégorie, par exemple, justement, si on le compare au Coni ou au Corsair, il est petit en fait. Il est très compact. On va dire qu'il est dans l'efficient. Je sais pas, il rentre dans un 890. Non, évidemment que non. Alors par contre, dans Nicknack, pour l'instant, j'ai que mon inventaire de New Babbage. J'ai pas celui de ton vaisseau, il y a pas tout dedans. Ouais, après ça a l'air... Oui, non, après, tu te doutes bien que ça rentre pas dans un 890, hein. Même si j'avoue que ça me ferait marrer qu'il est genre en dessous du docking comme le Merlin sur le Coni, ça me ferait marrer. Un 400 docké sur le 890, ça serait rigolo. Mais du coup, effectivement, c'est des tourelles de fuite. En poussant fort. Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, mais surtout que vous arrivez à digérer cette CitizenCon qui était quand même décevant de mon point de vue. Après, c'est toujours pareil, y a nos attentes et y a ce dont on est en droit d'attendre. Et on était en droit d'attendre un peu plus avec ce qu'ils nous ont dit en disant ouais, c'est tout génial, machin et tout. Et en même temps, on avait trop d'attentes aussi, je pense. Il y a beaucoup de gens à la fin qui disaient « Ouais, il y aura un truc surprise à la fin et tout. » Et je tentais de dire « Non, vous excitez pas, il y a peu de chance, quoi. » Malgré tout, les gens ont gardé cet espoir-là. Donc forcément, arrivé à la fin, ben on est grandement déçus. Bonjour à toi, c'est CitizenCon de 1951, côté vaisseau sans plus, mais la démo de Pyrolarsa... Comment ça vend du rêve? J'ai des petites inquiétudes sur les serveurs machine par contre, enfin avis perso, plutôt ressenti je dirais. J'ai pas trop d'inquiétudes perso sur la serveur machine, ils ont montré comment ils voulaient le faire fonctionner. C'est exactement ce qu'on cherche à avoir. Donc perso ça va, pas d'inquiétude sur serveur machine. Surtout que Turbulent c'est des gens de confiance plutôt efficaces.
Donc non, non, vraiment pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Mais en fait, c'est surtout qu'on était très, très, très dans le concret, dans le technique cette année, et on n'était pas dans les étoiles dans les yeux. Mais je pense que c'est une bonne chose. Donc ça a amené de la déception. Et je crois que c'est bien. Alors par contre, la vue dans le 400i pour se poser est nulle. Nul, nul, nul. Hop, on va couper les monteurs. Alors, hop. Ah, j'avais pas le contrôle sur les moteurs tant que t'étais dans le siège. C'est marrant, ça. Alors, normalement, j'ai ouvert toutes les portes. On va tenter de mettre un aux dans le 400. Mais grave. L'avancement du Banu version de Manu rassure. Ils ont fait une belle refonte sur le Banu, faut être honnête. C'est beau. Très très beau. Non, Va où? pas là. Je t'attendais devant l'ascenseur, je me suis dit, tiens, merde, elle va où? Tu m'as pas partagé la mission, si jamais, hein. Je sais pas si. Mais tu veux pas l'argent aussi? Ça va quoi. Je m'ai oublié. Partager. C'est marrant, j'ai pas eu d'alerte. Ah, zut, t'as pas ouvert les portes. Bon. Ah, y a plus l'affichage en haut. Au-dessus, tu sais, les trucs qui pop. Et du coup, là, ça m'a pas Ah partagé oui, un chez moi truc. c'est bugué aussi. Ben, ça s'est pas affiché en fait. Oui, t'as à partager. Alors, je vais voir. Non. Non, parce que du coup, comme je la vois pas, je peux pas l'accepter. Mais j'ai appuyé sur le chapeau. Ah mais attends, je peux pas te la partager. Pardon, j'ai cliqué sur track et untrack. Je peux D'accord. pas te la partager. Donc c'est comme les bounties. Ça c'est Ok. dommage. Et tu m'ouvres la porte avant? La porte avant. Ouais, merci Mandarin, je viens de m'en rendre compte. Oui, le hangar à. D'accord. Mais c'est à l'arrière, du coup, je pouvais pas Non, comprendre. c'est à l'avant. Ah, le hangar le hangar à Là où je t'ai moto. enfermé tout à l'heure. Le hangar Oui. avant. Est-ce que tu veux ouvrir le hangar avant? C'est un hangar à moto, tu veux, mais paraît que du vent dedans. Il est où le bouton? Il est où le bouton? J'ai pas trop suivi du coup la Nox se comporte mieux en 3.15. Mais j'en sais fichtrement rien. Ça... Il est où le bouton pour Rien ne l'ouvrir? m'a hype sincèrement. Mais c'est une bonne chose. Bonne chose. Qu'ils arrêtent justement de mettre du vent qu'on n'aura jamais. Je pense que ça c'est bien. Pour ma part, j'ai suivi le live de Hugo Bauer Terada, ça fait un an. Et demain, j'ai pas touché le jeu. Je pense que ça va continuer vraiment. Je trouve pas le bouton pour ouvrir. Je comprends pas trop ce que tu veux dire, N1. Je suis désolée. Le libérateur dans le concept, il est sympa. Je le voyais comme une taille large, mais en capital ship. Alors là, je comprends pas. Il est pas en capital ship le. Le Liberator, il est en large. Alors, tu sais où est le panneau pour l'ouvrir, hein, le truc à l'avant là? J'ai pas d'accès. Ah oui, à côté du bouton d'ouverture de rampe. Merci. Ah, ben j'ai pas de Nox testé. Nova, ça rentrera pas de toute façon. Faudrait que j'achète une Nox. Sur le truc à l'avant du vaisseau. Oui, mais à Merci. côté de la rampe. Oui, je l'avais pas vu. Encore ce panneau-là, moi. Alors par contre, je sais pas pourquoi il y a des espèces de glitch sur mon interface, comme s'il y avait des interférences. Très étrange. Merci, Amanda Ange. Alors, tous les skins du 400i ne sont pas dispo. J'ai acheté la version concierge avec deux skins. J'en ai qu'un seul. Faut regarder, toutes les peintures ne sont pas toujours forcément en jeu. Sachant que de toute façon, là, c'est le PTU. Il faut pas s'attendre à tout avoir sur le PTU.
n'ont pas d'inquiétude. Ce qui compte, c'est le PU. Le PTU. Alors. Eh mais je vais pas avoir droit à un bonjour. Désolé, Captain Flamme, vous êtes super nombreux en fait ce matin. Vous êtes quasiment 130. Et vous parlez beaucoup. Donc j'essaie de suivre au maximum, mais je vois pas tout le monde. Sincèrement, désolé. Moi, je vois bien fin 2021 et 2022, beaucoup de travail en arrière-plan. Et seulement 2023, du concret nous proposer concernant meshing et Gen 12. Et puis, contenu 2024, puis envers 2025, la bêta et 2026, la release. Alors, il n'y aura pas vraiment de bêta au sens strict, mais non, non, beaucoup plus tôt que ça. De 2022, le serveur meshing, on l'a hein, vraiment. Je veux voir s'il y a des trucs à voler dans les stations. C'est pas de la spécu, hein. 2022, on a toutes les techs de fond de Star Citizen. Alors, salut, tu peux me donner un avis pour l'exploration colportée ou la reconnaissance? J'ai le Terrapin. J'aime bien mes 400 et j'ai un coup de cœur pour l'intérieur, mais je trouve l'extérieur dégueulasse. J'hésite à le prendre et remplacer mon Terrapin. En fait, c'est deux choses complètement différentes. Le Terrapin, c'est pas de l'explo au sens strict du terme. C'est plus de la détection, c'est-à-dire une utilisation de radar, etc. Il n'y a pas de soute, il n'y a pas de cargo, il n'y a rien. Donc c'est le Terrapin n'est pas fait pour fonctionner en solo. À moins que tu veuilles faire de la vente d'informations, ça c'est encore autre chose. Mais sinon, c'est un vaisseau qui fonctionne dans une flotte pour détecter des objets à longue portée. Le 400i, c'est un vaisseau où toi, tu pars avec et où tu vas mettre de la nourriture à l'intérieur, où tu vas vraiment faire de l'explore avec. Donc, c'est deux vaisseaux qui ont deux utilités complètement distinctes. Donc, c'est difficile de les comparer, en fait. En termes d'équipage aussi, hein. Dans le 400i, t'es à 3 personnes. Drop off package. Ah, mais t'as pris mon paquet? Ton paquet? Attends, oui. Je le pose par terre. J'ai vu qu'il y avait un truc que je pouvais attraper, je l'ai attrapé. T'as pris mon paquet? Mais j'ai oublié de prendre mon multi. J'ai laissé mon multi-tool dans le vaisseau en plus. Alors, désolé, en gros, je joue plus sur la live depuis un an et je fais juste les tests Evo pour les aider, mais depuis un an, j'ai plus de plaisir sur le jeu en PVP sur la live. Mais après, le PVP n'a jamais existé sur le live, donc je comprends que tu n'y aies jamais trouvé du plaisir. Y a que depuis qu'il y a l'événement Ninetales qu'on commence à avoir une structure PVP. Avant ça, il n'y en avait pas. Je peux que comprendre ton désarroi. Mais ça va m'écraser. Oh putain. Quoi? La porte s'est refermée. La porte... Mais je viens de la fermer. J'étais en train de monter dessus. Mais t'étais devant moi. Non, j'étais derrière toi. Ça a failli m'écraser contre le vaisseau. T'étais devant moi et t'es rentré dans le vaisseau. Non, non. Non, non, je suis pas rentré dans le vaisseau. J'étais sur la rampe. Ok. Bon, je réouvre la rampe. Ils ont changé les couleurs des boutons d'ascenseur sur la ville où tu es, la couleur réussie respecte plus le design de la ville. Ouais, ils avaient dit qu'ils feraient ça de toute façon à terme. Les techs peut-être pas, le meshing sera statique et non dynamique. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça fait une sacrée différence. Ils ont dit qu'après Vulcan, il y aura du ray tracing. Non, ils ont dit que ça ouvrirait la porte au ray tracing. Ils ont pas dit qu'ils en feraient. Attention, grosse différence. Le DLSS, qui peut être vraiment bien, risque de devenir le dernier espoir d'un jeu fluide si les technologies précédentes ne suffisent pas. Non, alors après à savoir que le DLSS ne rend pas les jeux fluides au sens strict du terme. Ça aide à avoir un jeu plus beau à moindre coût. Mais ça n'améliore pas forcément les performances en soi. Après...
après, le jeu est fluide. C'est le serveur qui est surchargé. S'ils trouvent même... S'ils arrivent à faire ne serait-ce que le serveur meshing statique, il n'y a plus de problème de performance. Ce sera un problème du nombre de joueurs par serveur. C'est ça le problème. Donc s'il y a du mal à son banquier... Non, c'est un vaisseau de prêt. C'est un vaisseau de prêt. Et si Edgy qui me le prête gracieusement. Et tiens, moi je testerais bien un truc. Eno ? Oui. Je vais tester le médical. Ah, mais t'es pas blessé en fait. Ah si, t'as 99%. Alors, ça. Ce qui est impressionnant, c'est que j'ai juste à passer pour toi. Sur toi, pardon, et j'ai des infos. Alors, ça risque d'être perturbant au champ de bataille. Ça peut être... Tu sais que tu t'es blessé? Je crois que c'était aux jambes. Sur les jambes, je vois rien. Est-ce que je peux te tirer dans la jambe pour vérifier? Vas-y, tire dans la jambe. Ah. Je vois pas de pistolet sur toi. Hein. Ah si, si, de l'autre côté, il y a un pistolet. Alors, attends. Mais j'ai des morceaux d'inventaire qui disparaissent quand même. Ah, non, j'ai plus de pistolet. Non, il y a des trucs qui disparaissent. Hein. Et pourtant, je le vois à ta ceinture, le pistolet. Non, je vais essayer de faire ça autrement. On est dans une zone d'armistice, tu vas pas pouvoir sortir ton pistolet. On est dans une... Je vois le petit symbole avec les munitions barrées. Ah non, mais je vois ça aussi. Ah oui, c'est parce que il faut décoller qu'il faut... Aïe. Pour ça. Je me retrouve pas encore dans le vaisseau. Le 400, vous l'avez acheté dans quelle ville? On peut pas l'acheter en jeu, le 400. Soit en argent réel, soit c'est un prêt. En fait, le terme exploration est mal utilisé. Il faudrait plus parler de vaisseau spécialisé dans le scan à distance. Ah, on va pas réavoir ce débat. Le terme vaisseau d'exploration marche très bien. Sur ça, on a un désaccord. Et moi, Amanda. En 2.6, il y avait pas mal de PVP. Non, il n'y a jamais eu de PVP dans le jeu. Il y a des gens qui se tiraient dessus. Jamais eu de PVP. C'est pas parce que les gens peuvent se tirer dessus que c'est du PVP. PVP, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, le PVP, en fait, c'est un gameplay. Donc, étant donné que c'est... Il doit y avoir gameplay, il doit y avoir une mécanique de jeu. Donc, à partir du moment où juste les gens se tirent dessus, mais qu'il n'y a pas de profit à faire ça, ou de but, ou de mission, ce n'est pas du PVP. Tout à fait. C'est au mieux des gens qui s'amusent à se tirer dessus, au pire des gens qui emmerdent les autres. Par exemple, dans Mario Bros, quand on jouait à deux, dans un des vieux. Quand l'autre personne avait Luigi, on pouvait se débrouiller pour le bloquer et qu'il meure. Du coup, est-ce que c'était du PVP? Non, le PVP... Player versus player, ça veut dire ce que ça veut dire, le contexte importe peu. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que tu peux tirer sur les autres par accident, en fait. Ça veut pas dire que tu viens de faire du PVP. C'est juste que y a pas de restriction qui empêche de tuer les autres. Mais en soi, ça veut pas dire que tu dois le faire. Sur un champ de bataille, tu vas pouvoir tirer sur tes collègues. Ça veut pas dire que t'es poussé à le faire. Le PVP, comme disait Eno, c'est quand il y a une structure, une mission, une récompense. Là, on arrive à du PVP. Sinon, sans mission,
Je vous mets un jeu vide avec un terrain. Sans rien, il n'y a pas de mission, il n'y a aucune occupation. Dans ce cas, c'est du PVE. Vous allez dire que non. Vous allez dire qu'il n'y a pas de gameplay PVE, il n'y a pas de contenu PVE, puisqu'il n'y a rien à faire. Le PVP, c'est pareil. Par exemple, le mode guerre dans World of Warcraft, en fait, te pousse à combattre les joueurs de l'autre bord, puisqu'il t'offre des récompenses pour le faire. Et donc, il y a une mécanique de jeu, c'est-à-dire que tu fais des missions, je sais comment ça s'appelle, les missions qui pop tous les jours, là, tes quêtes journalières, et il y a tout le monde qui est là, et en même temps, tu te bats contre les autres joueurs, et tu gagnes des récompenses. Donc, il y a une mécanique de jeu, donc c'est du PVP. Je bloque Porolissar en tirant sur tout ce qui bouge. Le Bounty, c'est du PVP, tout à fait. Le Bounty, c'est du PVP, les missions dans les Ninetales. Qui pousse justement à tirer sur l'adversaire et à le stopper, c'est du PVP, plein de trucs comme ça. Mais avant le bounty, avant tout ça, il n'y avait pas de PVP. J'ai du mal à comprendre en vue de la forme du vaisseau comment diable il va pouvoir se dock à un autre ship avec des. En fait, ils seront pas. Je vais rentrer le truc. Ils seront pas collés les uns aux autres. Il y aura des bras d'extension. Là, clairement, tu oublies. Hein. Ça, c'est certain. Hop, je vais te stopper le vaisseau. Tu peux te tirer sur la jambe, Edou ? Oui, j'attends. Est-ce que le 400i pourra aller sur l'eau comme le 890 ? De ce que je sais, le 890, c'est pas prévu pour aller sur l'eau. Mais je peux me tromper sur ça. Merci pour le follow, Grisha, merci beaucoup. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que leur définition du PVP est quelque chose de juste. Et il faut bien comprendre que pour les définitions du jeu vidéo, les définitions de genre se font avant tout par les développeurs. Non, c'est pas du PVP. Je vais faire un raisonnement par l'absurde. Je suis désolé pour ce raisonnement un peu foireux. Si je prends un caillou que je mets dans ma bouche et que j'avale, est-ce qu'on peut dire que j'ai mangé? D'un point de vue purement pratique, oui, puisque je fais la même chose que quand je mange. Pour autant, on est tous d'accord qu'il y a une définition intrinsèque, en fait, au fait de manger. Où le fait de manger doit être associé à de la nourriture. Et pour le PVP, c'est exactement pareil. Mais c'est marrant parce qu'il dit qu'il y a besoin de soins. Mais il dit pas quoi, c'est assez rigolo. Par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai pu sortir le soin dans la zone d'armistice. C'est sympa. Ouch. Je suis à 94. Il y a un peu de sang. J'ai pas de blessure. J'ai pas blessé. Alors. Donc si tu peux le faire en version voiture. Ah, le faire. Là, on est censé pouvoir faire des changements sur l'écran. Non, bon, ah, mais. Je vais virer parce que j'ai une armure lourde en bas. Pouvoir mettre mon multi-tool. Donc je vais virer mon armure lourde en bas. Là ce sera compliqué à base de voiture, chevalier. Il n'y a pas d'aroxy dans le sens un mineur c'est autant celui qui casse le caillou que celui qui va raffiner le minerai. L'explosion tu fais celui qui scanne et le mec qui va sur place voir ce qui a été scanné. Et bien entendu, tout comme le minage, tous les vaisseaux ne pourront pas faire tous les étapes. Exactement. Alors tu veux, si tu veux, tu pourrais essayer de me tirer dans la jambe. Tenter ? Ouais, je le vois le pourcentage de points de vie, mais j'étais étonné qu'il n'y ait pas de blessure. Toujours pas ? Non. Bah, je suis à 87%. Toujours pas ? Ça descend moins vite qu'avant, j'ai l'impression. Hein. Non, toujours pas de blessure. J'essaie de te soigner hein, quand même.
Je suis soigné. Tada ! Ah. Ouais, 99%. Moi j'ai la barque a carrément disparu donc. Par contre je suis à 1% de drogue. Ouais. Je suis démonté à 2%, ça diminue tranquillement. Excellent. Ouais, c'est un peu surprenant, il y a un petit côté magique dans le soin. Oui. T'admettras que c'est la pénibilité, Shark Noir, quand même, pour utiliser l'écran. Allez, on va finir la mission, quand même. Après, moi, j'aime vraiment bien ce vaisseau, quoi. C'est la caravane de luxe de l'espace. Avec les store crédits sur le site, on peut faire des upgrades de vaisseau. Oui. Mais pas en warband. Tu peux t'auto-soigner en appuyant sur B. Ah, merci pour l'info, Shark. C'est drôle, en plein combat, tu soignes tes coéquipiers qui finissent tous drogués. Ouais, et puis il faut faire gaffe aussi à pas soigner les ennemis, du coup. Mais là, par contre, avec ce pistolet-là, ma vie va pas redescendre. C'est pas du temporaire. Alors je suis très étonné parce que du coup pour la mission j'ai pu sauter sur la zone de livraison. Ah mais non, c'est parce que c'est New Babbage, pardon, j'ai trépé. J'ai rien dit. Et c'est le matin. On va y aller trop vite. Mais la surdose à 80% est géniale, trop classe l'effet. J'ai beaucoup aimé aussi, mais je l'ai testé ce matin. C'est assez rigolo. Encore tellement de choses à tester. Je me demande ce que ça va ouvrir du coup comme mission. D'ailleurs, il faudra que je jette un œil aux réputes. Parce que ça doit beaucoup changer les réputes aussi. Salut, commandeur. Excellent. Bon dimanche à toi aussi. Alors, la nuit a été un peu courte. Votre honnête. Du coup, on balance un cocktail molotov pas allumé sur un ennemi pour le troquer. Donc si juste immunisé à la surdose de Kawa. Je suis complètement immunisé à ça. Tu es toujours en surdose de Kawa. Salut Kiro. Attention, on arrive. Et je vais pas encore tester les lumières, tiens du. Alors par contre, je trouve que c'est pas la praticité non plus le 400i. Pour un petit vaisseau comme ça, j'aurais aimé que ce soit un peu plus fluide au niveau de la navigation dans le vaisseau. Non ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, à propos de quoi ? Bah, le fait qu'il y ait un ascenseur et une échelle, ça te casse toujours la navigation, je trouve. Alors, j'étais en train de me dire l'espèce de rond sur le toit. Je me demande si ce sera pas possible de faire un upgrade pour mettre un truc un peu plus guerrier dessus. Rond sur le toit guerrier. Sur le toit du vaisseau. Regardez ça. Alors, tu es posé sur la rambarde. Ah mince, oui. Parce que j'ai pas sorti le landing gear. Ah, stop. Pourquoi j'arrive pas à straffer? Sortir du siège histoire de te donner toute. C'est parce qu'il y a beaucoup de vent en fait, je pense. J'ai l'impression, en tout cas, il y avait de la météo qui était peu clémente.
puis c'est... Je sais pas, il y a un bug aussi apparemment sur la vue extérieure. Le vache, y'a le vent qui me pousse. Attends, je vais fermer les portes. Oh, quelle horreur. J'arrive pas à y aller. Me tourner. Y'a pas de vétole, j'ai l'impression, sur ce vaisseau. Hein. Non. Je vais essayer d'y aller en marche avant, du coup. Il y a tellement de vent! J'ai jamais vu ça. Allez! J'ai la manette des gaz à fond. Bon, on va dire que c'est bien comme ça. Donc, l'anneau sur le dessus, ouais. Là, sur l'anneau sur le dessus. Le rond sur le dessus, je me demandais si c'était pas une possibilité pour plus tard de rajouter une tourelle ou quelque chose. Je pense pas, non. J'aimerais. Ça va très bien, et toi, Kiro? J'espère que t'as passé une bonne soirée hier soir. Donc le Kraken est flagrant. Non, on n'est pas encore allé à Horizon pour voir le nouveau magasin de pièces. On y va vraiment à la cool, là on est parti de New Babbage. On a testé une nouvelle mission. Et une nouvelle mission pour avoir le droit de faire de la livraison, en gros un petit peu comme les Bounty Hunting. Ok, tu prends pas la caisse? Si, j'y vais. Faut bien que je passe par en dessous. Non, tu peux aller directement dans le hangar. Hein. Non, je ne peux pas. D'accord. Et non. Je pense bien que si je passe par en dessous, c'est parce que j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir toutes les portes. Pourquoi tu fais ça? Bah comme ça, j'ai pas besoin de chercher mon bouton après. Le vent. C'est absurde, le vent. Et c'est rigolo, les bugs d'interface fait exprès. T'as ça aussi? Ouais, mais je sais pas à quoi c'est dû en fait. C'est des tu dois avoir des zones où tu as de plus en plus des fois d'interférences. Alors éclaté, j'ai pas pu suivre la sitcom, j'ai tout à rattraper. Oh non, il fait froid. Roxy oublie son qui grommit pour rester au chevaux. Là c'est un peu ça. Ou alors Roxy, on pèse 20 kilos tout douillet, on se fait pousser par le vent. Mais tellement. Alors, je viens d'aller faire un tour sur Wikipédia et sans vouloir générer de conflit, il nous dit player versus player. Très bien, Wikipédia a tort aussi sur des définitions. Je comprends ce que tu fais, mais... si tu regardes la définition en France des bolognaises. Les bolognaises, ce sont la plupart du temps des spaghettis avec de la sauce tomate et de la viande hachée. D'accord ? Les bolognaises... Ah, je vais me faire mal. Les bolognaises, c'est absolument pas ça en Italie. Si tu demandes ça en Italie, tu n'auras pas ce que tu as demandé. Parce que tu croyais demander. Tu auras un ragoût. Et les deux ont raison, en fait. Le problème, c'est que la plupart des joueurs disent que le PVP, c'est un joueur qui tire sur un autre joueur. Et ça n'a pas de sens, en fait, comme définition. Dans ce cas... Un jeu de plateforme, c'est un jeu où il y a des plateformes. Donc, World of Warcraft est un jeu de plateforme. Non. Un MMO, c'est un jeu où il y a plein de joueurs.
Donc PUBG est un MMO. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour le joueur versus joueur, c'est exactement la même chose. Il y a vraiment cette notion de gameplay. En PvE, il n'y a pas de dégâts entre joueurs. Oui, en PvE, il n'y a pas de dégâts entre joueurs. Et encore, je pense qu'on Forcément, pourrait tu en... peux avoir du tiraillé, hein. Ouais, En on PvE, tu pourrait peux en largement avoir discuter. du tiraillé. Et en fait, moi, Bah, je dans trouve que Alien Isolation, il aurait pu y avoir du tiraillé. c'est ça. Du coup, ça pourrait faire du PvP. Et en fait, ça va dans le sens de ce qu'on disait, c'est-à-dire que pour décrire un jeu ou un aspect du jeu, mais un détournement du jeu, c'est-à-dire juste tirer sur les autres parce que ça te fait marrer, ça ne fait pas partie du jeu. C'est pas parce que le jeu le permet que ça fait partie du jeu. Ouais, non. La PUBG est un MMO aussi. Quoi? Je peux utiliser un démineur comme fond d'écran, ça en fait pas un fond d'écran. Non, mais comme dit, je crois que Alien Isolation, c'est un bon exemple. S'ils avaient mis du tiraillé pour augmenter la difficulté, bah, ça voudrait dire du coup que de facto. Pas Alien Isolation, Alien Fireteam, pardon. Alien Fireteam, s'il y avait eu du tiraillé, ça aurait voulu dire qu'Alien Fireteam serait devenu PVP? Ce qui n'a aucun sens, on est d'accord. Et pour le coup, justement, là où je voulais dire, c'est que l'absence de PVP ne fait pas du coup non plus un PVE. C'est ce que je disais, si on met une map vide et qu'il n'y a strictement rien, ben ça en fait pas un jeu PVE du coup. Il n'y a aucune activité PVE. Sérieux-tu, il suffit de regarder le grand-père de ce genre de jeu, Left 4 Dead. Il y a du FF en difficulté élevée, ça reste PvE pour autant. Tout à fait, exactement. Exactement, on est tout à fait d'accord, Kiro. Non, je suis désolé, j'ai ma langue à fourchette sur Alien Isolation. Après, comme dit, il ne s'agit pas de faire du conflit, hein. Il s'agit de faire la distinction entre du langage courant et du langage technique. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la bolognaise, qui, je pense, est vraiment pertinent. Parce que si vous demandez des bolognaises en Italie, vous allez vraiment être déçus. Et par contre, si tu pars avec des potes et que vous faites deux groupes sur n'importe où de Star Citizen, et que là vous vous mettez sur la gueule en mettant une histoire ou quelque chose, ça fait un event PVP, mais qui n'est pas forcément un event du jeu. Pardon, excuse-moi, Si je crée un event RP et que je fais deux groupes, un groupe de preneurs d'otages qui ont un otage et un groupe qui vient pour libérer l'otage. C'est un event PVP, puisqu'il y a un gameplay qui a été fixé avec des règles du jeu. Sans même qu'on se tire dessus d'ailleurs, hein, on pourrait avoir une confrontation politique ou une course en fait entre deux équipes et ça en ferait du PVP du coup. C'est ça, une course, ça serait une course en PVP. Mais d'ailleurs, les courses auquel j'ai jamais réussi à participer, étaient Ah, à chaque fois des les quand même Scramble Race. des Scramble Race, étaient potentiellement des courses avec une partie PVP. Complètement. C'est ouvert sur le PVP. Des exemples de jeux PvE avec Friendly Fire, il y en a Légion. Alors c'est vrai que j'en connais pas forcément des tonnes, mais il y en a aussi. Bon, par exemple, Guild Wars 2, il y a un mode PvE, un mode PvP, un mode World versus World, ou les royaumes versus royaumes. Le World versus World est un mode où en gros des joueurs de factions différentes se mettent sur la face. Pourtant, c'est pas le PvP. Le PvP, c'est un autre mode de jeu. Bon, après, pour clarifier les choses, ils disent PvP structuré. En fait, c'est une guerre PvE pour du PvP. C'est assez complexe, Guild Wars, là-dessus. Comment on peut accepter de passer 4 heures pour s'équiper d'un casque? Stop, la plupart me connaissent, mais là, ça va trop loin. De quoi tu parles, Ashram, 4 heures pour équiper un casque? Un peu lent le chip par rapport au 600. Il est un peu lent, mais en même temps, il vient d'être intégré au jeu, donc je pense qu'il faut pas trop se formaliser.
Bonjour, j'étais en train de l'orque, mais là en fait, t'es juste en train de nier l'existence du PVP sauvage dans les C. Je pense pas que Robert approuve. Alors, ce fichier du PVP sauvage, c'est du griffing. Non, 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 pas du tout. Non, c'est pas ça. Pff, comment Le PVP sauvage, si vous voulez, on peut appeler ça de l'escarmouche à la rigueur. Enfin, un peu plus de sens. Mais. Alors, déjà, je pense que Chris s'en fout, mais il s'agit pas de nier l'existence. Il s'agit de. D'aller sur les définitions qui permettent de créer les structures techniques qui permettent de parler le même langage. Comment. Oui, merci pour le follow, Wasp. Comment expliquer un caillou. Un caillou, par exemple, en science, ça n'existe pas. On sait tous ce que ça définit. On sait tous ce que ça définit, un caillou. Attends, quoi, j'ai pas assez de gasoil ? Ah non, c'est... Pour autant, si on veut commencer à lancer une vraie discussion sur un sujet un peu plus complexe, on va très vite devoir abandonner le mot caillou. Parce que le mot caillou ne définit rien. Un mot caillou, ça désigne une roche. Et ça désigne en quelque sorte une forme de taille aussi. Mais il y a une limite à cette taille. Parce qu'au bout d'un moment, on va parler de rocher. Mais pourtant, on ne sait pas quelle est la limite entre le caillou et le rocher. D'accord ? Et donc du coup, c'est plus simple de parler de PVP au sens large quand on veut encadrer le gameplay et dire qu'il y a une structure qui l'encadre. Et derrière de définir de nouvelles actions, par exemple des PVP sauvages, en fait tu parles déjà plus de PVP. En vrai. T'as déjà rajouté un mot. Tu vois ? Donc on est déjà plus en train de parler la même chose. Ensuite, si tu fais de la piraterie, tu cherches pas nécessairement à faire du PVP, parce que tu vas peut-être tomber sur un PNJ ou un joueur et tu t'en fous de qui y a derrière. Donc, il y a une fois tu vas faire du PVP par accident, mais tu n'en auras strictement rien su. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est du PVP? C'est très compliqué à définir sur ce truc-là. Ensuite, comme je disais, je pense qu'un terme qui serait peut-être plus approprié par rapport au PVP sauvage, qui serait peut-être plus élégant, ce serait de parler justement des escarmouches. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je joue depuis 1986, le PVP c'est juste un joueur qui va affronter un autre joueur, quelle que soit la condi. Ok. Dans ce cas, vous vivez tous dans l'espace. C'est tout ce que je peux vous dire, je suis désolé. Mince, je sens qu'on va bientôt parler de grinderie et taderie. Ouais, c'est un peu ça, chevalier. Ouais, je trouve ça très ironique, en fait. Parce que quand il n'y a pas, justement, dans WoW et tout ça, des arènes ou des choses mises en place pour faire du PVP, les gens se plaignent qu'il n'y a pas de PVP. Pardon ? Je trouve ça rigolo parce que les gens, quand il n'y a pas les choses mises en place pour pouvoir faire du PVP et avoir des récompenses, se plaignent tout le temps qu'il n'y a pas de PVP. Mm. Et là, on a l'inverse. Mais c'est dire effectivement que Left 4 Dead est un jeu PVP. Dire que Gran Turismo est un jeu PVP. Je sais pas, perso je trouvais pas ça pratique comme façon de voir les choses. Du coup c'est quoi un MMO ? Alors, en général, MMO en soi, ça n'existe pas vraiment non plus. Il y a des choses à rajouter derrière.
Mais MMO, ça veut dire massivement multijoueur online. Et donc, ça doit respecter certaines structures aussi. Donc, par exemple, justement, PUBG, c'est plutôt multijoueur online, pas vraiment massivement. Après, il faudrait aussi à définir la notion de massif, qui est très compliqué à définir. Pour l'instant, par exemple, Star Citizen n'est pas encore un MMO. On a une cinquantaine de joueurs par serveur. Donc, stricto sensu, on ne peut pas parler de MMO. Avec le serveur meshing, il faudra aussi voir en fait les structures qui encadrent le nombre de joueurs au sein d'une zone. Possiblement, en fait, même s'il y a des millions de joueurs connectés en même temps, si on peut seulement interagir avec une centaine, en voire un maximum une centaine, est-ce qu'on peut parler de massivement multijoueur? Bah, même pas. Il y a une différence entre jeu PVP et jeu avec du PVP. Bah pas d'après ce que tu dis en fait, Snow, du coup. Comment tu l'as défini? À partir du moment où il y a du PVP, c'est un jeu PVP. Je pousse votre raisonnement à son paroxysme. Le poussi, c'est que c'est bien trop de gens se cachent derrière l'excuse du PVP permis par SC pour légitimer le griffing en comportant en 2F, c'est du jeu vidéo, d'autant que le PVP n'est pas la proposition de base de SC. Un pan de gameplay potentiel, même si c'est majoritaire, on n'aurait pas autant de systèmes de loi et de gestion du monde pour agir en conséquence face aux agressions. Effectivement. Après, même si je vais pas forcément te suivre là-dessus, Kiro, où je pense que c'est aussi un sujet un peu complexe et que j'ai pas envie de refaire parce que je l'ai fait maintes et maintes fois sur ce stream. Le fait avec de l'eau, t'es pas de l'eau dans le genre comparaison foireuse. Mais attends, c'est vous qui l'avez faite! Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que justement je vais éviter ça pour éviter ces amalgames. C'est vous qui l'avez faite et c'est toi qui me reproches ce raccourci, Snow. Merde! Non, vous me faites chier, quoi. Faut définir massivement, oui, tout à fait. Bonne journée, Bob Fanon, je suis désolé, j'ai pas vu quand tu partais. Alors... Je me demande ce que c'est ces petites boîtes au fond là. Mais j'avoue que là, bref, refermons le débat. Bah non, c'est dégueulasse de faire ça. C'est juste que j'arrive pas à comprendre en fait. Je vous propose de pousser plus loin le raisonnement pour mieux catégoriser les choses et éviter des problèmes de confusion quand on parle d'un sujet, donc avoir quelque chose de mieux défini. Et après, vous me reprochez de faire de la généralité, quoi. Très rigolo, il y a des tiroirs sous les lits. Rien à voir, mais on n'a pas encore de nouvelles sur la sortie de G12. Alors en fait, le problème c'est que parler de sortie de G12 c'est assez complexe dans le sens G12 a commencé à déjà être déployé sur le jeu, il y a déjà des morceaux qui ont été passés, et à chaque patch il y a des nouveaux morceaux qui sont ajoutés, donc c'est juste qu'à un moment il y a l'ensemble en gros qui va être activé, mais il y a déjà plein de bouts qui ont été mis dans le jeu, donc en gros... Dans les mois à venir, en gros, G12, le véhicule. Oh, j'ai trippé. Le G12, non, on n'a pas de nouvelles. Excuse-moi, j'ai mal lu. Aucune nouvelle. Désolé. Potentiellement, est-ce qu'il garde, tu penses, des annonces pour l'IAE sur les vaisseaux, sur ce genre de choses? Par rapport à la CitizenCon de hier soir. Excuse-moi, j'ai pas... Est-ce que tu penses qu'ils gardent encore des annonces pour l'IAE, en fait? Pour des vaisseaux? Ouais, pour des surprises potentielles ou choses comme ça. En vrai, je sais pas. J'en ai aucune.
Je trouve ça toujours un peu nul qu'on puisse faire les sauts sur les villes et pas sur les stations juste au-dessus des villes. Oui. C'est un peu la frustration. Ouais, parce que t'es plus sur la planète, du coup le saut autour de la planète marche pas, quoi. Disons, salut Cadeliox, disons qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas trop de rumeurs ni rien, en tout cas, donc... C'est difficile à exprimer, quoi. Waouh, on arrive où, là? Tu as ouvert avec il n'y a pas de PVP dans SC, je pense vraiment qu'on ne pourra pas être d'accord sur ce sujet. Peut-être comment on tord le truc. Je n'ai jamais dit il n'y a pas de PVP dans SC, j'ai dit que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas dire qu'il y avait du PVP dans SC... Ou c'est juste qu'on avait des flingues, et avec ces flingues, on pouvait s'allumer la gueule sans aucune raison. Je trouve qu'en termes de développement de jeux vidéo, on ne peut pas parler de PVP à ce niveau-là. Sinon, ça veut dire qu'on se résume à avoir du friendly fire dans un jeu, à dire qu'à partir du moment où il y a du friendly fire, c'est du PVP puisqu'on peut le faire. Vous avez dit que ça n'allait pas comme façon de faire, et pourtant vous avez défini que le fait de pouvoir se tirer dessus, c'est du PVP. Moi je vous dis que je suis perdu avec votre vision des choses, et quand je vais dans votre sens pour faire une généralité, vous me le reprochez. Moi je ne sais plus quoi dire face à ça. Et justement, que les Ninetales, par exemple, c'était intéressant qu'il y ait une dimension PVP à l'événement. Mais le Friendly Fire, ça sous-entend coop. Mais justement, le PVP, ça sous-entend gameplay. Je sais pas si vous vous rendez compte du problème de l'argumentation que vous êtes en train d'utiliser. Je parle de Friendly Fire parce qu'à la base, il y a une notion de PVE. Mais si je peux tirer sur mon pote et le tuer, c'est bien du PVP. C'est ce que vous avez défini comme PVP. C'est votre définition du PVP. Juste un problème de dialecte et le débat est stérile. Je suis d'accord. Entre les habitudes de langage, les noms de définition structurée pour classifier les types de gameplay, c'est que le langage est appris au fur et à mesure de l'évolution du jeu pour intégrer une catégorie de jeu, un style de play. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Stalante. Mais on ne peut pas parler de PVP dans les 4 Dead. Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Si le fait d'avoir une arme et de pouvoir tirer sur un autre joueur, c'est du PVP, pourquoi dans Left 4 Dead, ça ne marche pas? C'est ça que j'aimerais comprendre. Alors, là où je rejoins totalement le langage de classification vidéoludique n'est absolument pas structuré. Chacun va midi à sa porte et comme tu l'entends, les habitudes et les raccourcis prennent le dessus, rendant l'échange et la compréhension du sujet délicat. Pour finalement, pas grand-chose. Tout à fait. Planet Side ? Un jeu purement PVP. Justement ce qu'on disait, c'est-à-dire que dans Star Citizen, pour l'instant, le but du jeu, il n'y a pas de but du jeu, à part quand il y a les événements des Ninetales qui te disent qu'il faut aller buter d'autres joueurs. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que je trouve que Raziel se va dans mon sens à chaque fois, c'est pour ça que je comprends pas. Le but est de tirer sur les mobs, l'environnement, pas de tirer sur les teammates. Et on est d'accord. Et jusqu'à maintenant, dans Star Citizen, c'était la même chose, en fait. C'est que récemment, avec les événements de PVP, et les bounties, qu'on a du PVP. Au tout début, il n'y avait pas de raison qu'on se tire dessus. Le jeu était PVE. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ça que je comprends pas.
Ah, par contre, je trouve que le spatioport, il est toujours un peu chaud patate à trouver. Ouais. Alors moi, je suis en train de vivre ma meilleure vie parce que j'arrive à Horizon pour la première fois de ma vie. Et ça rame pas. À plus de 10 FPS. Ah, je le vois. Je le vois. Par contre, il est lourd, le 400i, c'est impressionnant. Tout à fait, ma copnette. Rien à qui lâche des grenades. Non, même en définition, je rôle le PVP inclut le player killer. Donc dès que quelqu'un décide de tuer un autre, c'est du PVP, même s'il n'y a pas de bounty. Donc Left 4 Dead, c'est du PVP. Non seulement il n'y avait pas de prétexte diégétique au PVP, mais en plus il n'y a techniquement aucun gain d'intérêt in-game autre que buter les joueurs. In fine, il n'y a aucune raison légitime de PVP en dehors de la chasse à la prime au cryptat, autrement ça ne rapporte rien. Alors pour l'instant en tout cas, à terme on aura beaucoup plus de différences. C'est là où on pourrait parler du fait que SC va devenir de facto un jeu avec une grosse proportion de PVP. Mais tout ce que je tentais d'expliquer, c'est qu'à la base, on pouvait pas vraiment dire qu'il y en avait dans le... Apparemment, il y a des gens qui sont tatillons là-dessus. Au niveau de gameplay, actuellement, une game UI, si tu veux, mais le jeu est pensé pour se tirer dessus entre joueurs. Mais attention! Voilà. Bien sûr que le jeu est pensé pour qu'on puisse le faire plus tard. Parce que c'est un jeu qu'il a prévu et qu'il le développera. Pour autant, aujourd'hui, je peux pas faire du cutting. Pourtant, il y a le multi-tool qui est pensé pour le faire. Et si je prends mon unit de cutting et j'essaye de cutter quelque chose par terre, je suis pas en train de faire du cutting. Mais évidemment que le jeu est pensé pour pouvoir avoir du PVP. J'arrête pas de dire que depuis qu'il y a les Ninetales, on a clairement des événements de PVP. Je trouve ça super cool. Et même en 2.6, il y a du commerce qui donnait le prétexte pour se battre, même s'il n'y avait rien à gagner. Bah non. S'il n'y a rien à gagner, c'est pas un prétexte pour se battre. Là, c'est toi qui as décidé que c'était un prétexte. À partir du moment où il n'y a aucune récompense, qu'il n'y a pas de gameplay, et que tu dis que c'est un prétexte, ça c'est de facto toi qui l'as choisi. Salut Vince le Grinch. Ah, ils ont mis un bac à sable dans la cour de l'école. C'est une incitation à en faire manger aux plus petits. Ça n'a absolument aucun sens. Alors au final, dans le jeu, il y aura 90% de PNJ, donc SC sera toujours plus PVE que PVP. Alors je sais pas si on peut parler de plus ou pas, parce que le taux de PNJ ne donne pas vraiment la répartition entre le PVP et le PVE, puisqu'il y aura des systèmes, en fait, il y aura énormément de PVP. D'autres systèmes, il y aura un peu plus de PVE, ça dépendra beaucoup des missions. Et du type de mission aussi, parce que par exemple, un event comme les Ninetales, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une forte proportion PVP. Si on a un event qui nous demande de repousser les Vendoules, on arrive un peu vite, non? Il y a mon cruise control qui s'est mis tout seul. Mais je pense que globalement, Attends, je termine juste la phrase. Et si on a un event qui nous pousse à tuer des Vendoules, on peut s'imaginer qu'il serait un peu plus... Vas-y, ça, mais c'était pour te rejoindre, en fait. Globalement, dans la vision qui est en train de prendre de Star Citizen, et dans tout ce qu'on a vu à travers ces 3 ans de traduction, c'est que globalement, en fait, justement, Star Citizen essaie de faire tomber... J'ai pas le contrôle sur le vaisseau. Oui, je sors du siège, j'ai pas tout. Essaye de faire tomber les barrières entre PVE et PVP, c'est-à-dire que ça... Parce que dans la notion de PVP, dans les joueurs PVP, il y a une recherche de se mesurer à des joueurs, et ce que Star Citizen essaie de faire tomber en disant, tu ne sais pas, en face de toi, il y a une autre entité, il y a justement leur notion de end consumer, où en fait, en face de toi, il y a quelqu'un qui est là. Mais tu sais pas en fait si c'est un joueur, est-ce que c'est pas un joueur. Et c'est le but quoi, quand tu fais un événement des Ninetales, il y a des vaisseaux pirates, potentiellement il y a des joueurs dedans, il y a des PNJ, et ça ne doit pas être important.
Alors, rien en revient à ce que je disais, tu parles de gameplay ou mécanique qui amène du PVP, et pas du PVP en lui-même en fait. Bah si. Alors, oui, t'es là. Les FPS ont pas l'air fou. Après, on a Horizon. En vrai, ça va. J'ai ma cam qui rame un peu. Les textures sont folles dans ce jeu. Un truc de soleil qui vient sur la passe. C'est de la folie ce jeu en fait. Qu'en pense Stitch? C'est ça la question. Il en pense ça. Mais le problème, c'est que à partir du moment où c'est une philosophie, de toute façon, on est perdu et on peut plus en discuter. Fin, c'est terminé. Génial Horizon. Je suis tellement en train de redécouvrir le jeu. Ah, de la box. Oui. Je suis assez d'accord avec toi, Orca. Mais surtout qu'on est d'accord en fait sur plein de définitions. C'est-à-dire que si c'est pas l'objectif premier et que c'est juste par accident et qu'il n'y a rien qui nous y pousse, je suis d'accord pour dire que c'est pas du PP. C'est vrai que je suis très étonné. On parle plein de fois de la même chose, Raziel et moi. Après, essaye de me soigner en appuyant sur B du coup. Eh oui, c'est rigolo. Faut le savoir. Hein. Rigolo. En même temps, B c'était la touche déjà pour le medikit, hein. le medipic. Je suis assez d'accord avec Snow. Légitimer c'est compliqué. Mais disons que ce qui m'embête le plus, moi, là, dans la discussion, en fait, c'est qu'il y a des contradictions dans ce que Raziel dit. C'est pour ça que ça m'étonne. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Pas faux. C'est malheureusement souvent ça, chevalier. Attends, on descend. Ça. C'est là qu'il y a Crows in Crows. Le brouillard qu'il y a ici, c'est assez dingo. Hein. J'ai des FPS. Bon, il y a un petit drop quand même. Hein. Alors... Un jeu comme Battlefield, y'a rien à y gagner? Pardon? Tout Battlefield est basé là-dessus? Les récompenses d'expérience, le cosmétique, les nouvelles armes?
Le tableau de score? Comment est-ce que tu peux dire qu'il n'y a rien à gagner à Battlefield à faire du PVP? Si je puis me permettre un propos qui n'engage absolument que moi, je trouve Raziel de très mauvaise foi. Voilà. Alors. C'est moi ou c'est encore plus beau que la dernière fois? Au niveau des rendus. Ça vient peut-être de ta nouvelle carte. C'est bon. Parce que moi c'est vachement plus beau que la dernière fois, mais je sais pourquoi. Hein. C'est parce que la dernière fois j'étais en lot. Arcosine Cross normalement c'est là-bas en dessus. Après, moi de mon point de vue, j'ai pas envie de braquer qui que ce soit. Et vraiment, ne vous sentez pas offusqué. C'est juste que la discussion m'intéresse. Sinon je l'aurais coupé. Je continue pas dans un espoir de gagner ou machin, c'est pas du tout ça. J'essaye de comprendre pourquoi il y a ce désaccord là, étant donné que moi mon objectif c'est vraiment d'avoir une définition claire et précise, alors que là on se retrouve plutôt avec du ressenti, du feeling et de la philosophie. Et du coup je trouve ça complexe d'amener ces notions là quand on parle de développement de jeu. Voilà. Donc, Kiro, je t'aime d'amour, ne te sens pas offusqué. Raziel, je t'apprécie énormément, ne te sens pas offusqué. Snow, pareil. Et voilà. L'objectif, c'est pas de braquer les gens et de dire que vous êtes nuls, machin. Les animations sont super belles, on les avait pas vues. Et c'est plutôt stylé. Ça marche bien au niveau de la vie. T'en penses quoi, Eno? C'est plutôt joli, j'aime beaucoup le côté un peu tagué et tout ça. J'avoue que je trouve ça assez génial. Et là, il y a des morceaux de moteur, des trucs posés sur les tables en cours de réparation. C'est vraiment cool. Mais c'est là où je suis perplexe, non? C'est que je dis depuis le début que justement que je veux parler du côté du développeur, du développement. Pour avoir des définitions claires, en fait, c'est pour ça que j'ai fait cette précision-là. Bon, je vais retenter d'acheter à boire, du coup. Oh, il y a un Kraken. Coucou Quincy. Il y a un hologramme de Kraken. Ah bon? J'ai ça qui est en train de me cramer les yeux. Ah oui. Il est super détaillé, c'est pas du tout le même qu'on avait déjà vu à l'IAE. Il y a tous les détails dessus. Il y a Eno qui fait exprès toujours de me pousser dans tous les sens. Avec le petit logo Kraken, c'est plutôt stylé. Quand tu t'approches, là, tu l'as en haute définition, il est magnifique. Elle sera à horizon, Vince, je suis sincèrement désolé. Mais le problème, c'est que je vois pas la différence, en fait. Là, t'es en train de dire il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, Raziel. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est là où je te perds. Tu dis le PVP, c'est quand on peut s'affronter entre joueurs dans le jeu. Donc, Left 4 Dead, on peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et t'arrives... C'est juste, tu me dis un truc de manière péremptoire en me disant c'est pas pareil parce que c'est pas pareil. Et c'est là où moi je suis perdu. Et c'est là où j'aimerais comprendre pourquoi tu vois une différence à part dans le feeling. Tu vois ce que je veux dire? Ah, par contre, ce que je trouve très bizarre, c'est qu'il y a une espèce de bulle d'éclairage. Je sais pas si je vais réussir à voir pourquoi il y a ça. Ah, c'est parce qu'il y a une lumière dans mes pieds, d'accord. C'est pour ça que j'ai tout qui brille autour de moi. Oui, parce que tu réfléchis la lumière. Non, non, il y a une lumière dans mes pieds, vraiment. Ah bon? Ouais. Ah oui. Effectivement, tu fais de la lumière. Ça veut dire que tu pètes un soleil. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les trucs? Ah, par contre, je suis en train de mourir aveuglé.
Eno, est-ce que tu arrives à fermer le store, s'il te plaît? J'ai mon œil qui est pété. On peut, mais c'est pas le but en soi. Le jeu n'est pas fait pour ça, c'est une pénalité. Et là, une fois de plus, je te rejoins. Et j'ai essayé de répéter clairement ce que je disais. Et donc, c'est pour moi... C'est pour ça que pour moi, au début de Star Citizen, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait le bounty et tout ça qui apparaissent, c'était pas du PVP. Parce que tu pénalisais juste les gens qui étaient en train de jouer et il n'y avait pas de but en soi à le faire. C'est pour ça que je dis toujours que je suis d'accord avec toi sur ce que tu écris. Je suis d'accord avec tout ce que tu écris. Pourtant, je comprends pas pourquoi on n'arrive pas au même truc. Dans l'essai, il y a un peu de gameplay clair. Le minage, le transport, le bounty antique. Il y a beaucoup de gameplay émergent. La piraterie, le transport de passagers ou de vaisseaux médecine. Je suis assez d'accord avec ça. Le gameplay est pas du tout fini, équilibré. Tout à fait. C'est pas une lampe montée sur un pistolet que t'as laissé allumer par hasard. Non, même pas. Même pas. Et donc, je voulais voir ce qu'ils étaient en train de vendre. Il n'y avait pas de grande surprise, j'ai l'impression, dans les ventes. Hein. Non, c'est du... C'est du vu et revu. Du composant. Il y a deux hangars sur le côté du Kraken. Alors le Duraljet ne me dit rien. On a du composant. Véhicule Weapon. Ah, ça c'est bien, ils ont changé le nom. Parce qu'avant c'était Weaponary, c'était confusant. Oui, je sais, c'est un néologisme. Plein de peintures. Pas de nouvelles peintures. J'ai vu Tabasco qui fait ça. On dirait que t'as un sabre laser sur la face. Et c'est le soleil en fait. Je suis désolé, en fait, il passe par les trucs du store. Et c'est en train de me péter les yeux. C'est assez violent. Je suis à peine déçu, je pensais qu'on pourrait sélectionner un vaisseau pour le custom en fait ici. Ah, je vois ce que tu veux dire. Plutôt que d'avoir juste un truc de... C'est dommage, ça. J'aime bien l'idée du truc suspendu, mais quand on s'approche, c'est... absolument dégueulasse. Ouais, non. On dirait qu'il a pas chargé, en fait, non? Ouais. On dirait vraiment qu'il a pas chargé. Mais j'adore le rendu du truc, hein. C'est vraiment plutôt sympa. Et alors le brouillard qu'il y a un peu partout, je trouve ça génial. Les poutous Kiro. Alors. Des gros bisous qui remercie d'être passé. Oh, il y a un écran, je peux l'éteindre et allumer. Un coup tu n'affrontes pas un joueur, tu pénalises un coéquipier. Mais c'est là où peut-être on touche à quelque chose. Salut Lunix, c'est peut-être là où on touche à quelque chose. À partir du moment où l'autre joueur n'a pas demandé à jouer avec toi, j'estime que c'est comme si tu pénalisais un coéquipier. Puisque il n'était pas dans une situation de gameplay PVP, il n'avait aucune raison de penser que tu allais l'agresser, donc tu l'as juste pénalisé aussi. Et c'est peut-être là la distinction, c'est que là... Tu penses que comme c'est pas un de tes amis, tu as le droit de venir inférer dans son gameplay. Alors je parle bien sûr au début de Star Citizen, pas quand il y a du gameplay et tout ça machin. Je parle vraiment de ce contexte-là précis, c'est très important, j'ai pas envie qu'on fasse tout le débat. S'il y avait aucune raison que tu ne lui fasses quoi que ce soit, c'est juste toi qui as interféré avec son jeu. Et je trouve qu'il n'y a pas de différence dans ce cas-là avec le fait de s'attaquer à un coéquipier. Ça reste du PVP, après tu catégorises ça en PK, PVP, sauvage, griffing. Donc le griffing est une catégorie du PVP ? Je suis à Horizon. Je trouve vachement dur, Snow, avec le PVP.
Moi, j'aurais tendance à distinguer le PVP du griefing. Bon, je vais peut-être devoir arrêter le stream parce que là, je commence à être très handicapé. On va juste aller au salon d'exposition, je pense, Eno. Crusader. Moi, je me suis paumé, donc m'attends pas. Bah, là où je suis. Ouais, je vois bien, t'es à 60 mètres de moi. Ah, peut-être par là. Oui, je suis juste derrière toi. Non, je pense que c'est... Ah, peut-être, mais après c'est un bug, hein, de toute façon. Ça va dégager. Horizon, oui, la ville de Crusader. Ils ont vachement bien amélioré les effets. Mais c'est quoi la différence en fait, le fait qu'il soit dans ton groupe et le fait qu'il soit pas dans ton groupe? Parce que dans les deux cas, aucun des deux ne t'a demandé à ce que tu lui tires dessus. Dans les deux cas, t'avais aucune raison de le faire. Il y a un bonus. Quand tu mets des armes dans un jeu, les gens vont servir. Et je trouve ça très triste. Je vais plus pouvoir faire de SC. En vrai, les perfs se sont améliorés sur Horizon, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Eno. Au-delà de la notion des cartes graphiques. Je peux pas juger. Si, en fait. Tu peux. Moi, en 3.14, je pouvais pas être en 1080 en étant tranquille à Horizon, ça ramait. Donc, je suis en moyen par rapport à. Tiens, on peut en parler. Je suis. Hop. Option. Ah, moi je suis d'accord avec Quincy, hein, je mêlerai pas les deux. Je dirais pas que le griefing est une sous-catégorie du PVP. Parce qu'on peut t'empêcher de jouer sans te tuer en fait. En prenant ton vaisseau, en montant dans le siège, en restant dedans, en restant devant une porte, on fait du griefing. Pour autant, on n'a pas fait de PVP. Je vais couper deux secondes Discord pour pouvoir dire des trucs sur mon chat à moi. Ok. Parce que je veux pas les dire sur ton live à toi. Là, on arrive à un point intéressant, Raziel. C'est que c'est toi qui as décidé pour les autres. Et là, forcément, par contre, je vais devoir arrêter sur ce point parce que je peux pas aller au-delà. Tu vois ce que je veux dire? Tu as décidé, toi, que c'était du PVP et donc que tu pouvais le faire. Et là, moi, je peux plus aller sur ce terrain-là. Avec 3070 Horizon, 18 à 23 FPS, un petit plus. Je sais pas combien j'ai de FPS d'ailleurs. On va regarder. Voilà. Du coup, j'ai pas réussi à sortir du. Ben non, c'est le jeu qui décide. Ben non, c'est toi qui l'as décidé. C'est toi qui l'as dit. Pour moi, c'est du PVP. Ben, le jeu offre ce choix. Mais là, on tourne en rond, les gars. On tourne en rond. Là, je vois pas la différence entre un joueur qui a rien demandé et quelqu'un qui est dans votre groupe. Dans les deux cas, vous venez empiéter sur son jeu sans aucune raison. Bah, je suis à 12 FPS du coup. Oui, ben j'étais à 12 FPS aussi, à peu près. Et du coup, là, effectivement, là, je vais passer à autre chose. Oui, c'est le jeu qui impose ça. Je suis en high, ouais. Perdu une eau. Ah. Un peu triste qu'on doive prendre un ascenseur pour continuer. J'aurais bien aimé la vue où on arrive, le grand truc qui se dégage. Le jeu pourrait être PVE, mais il ne l'est pas. Star Citizen n'est pas un jeu PVE? Je t'ai perdu, Raziel. Là, je peux pas te suivre là-dessus. Donc, s'il y a du... Si on peut se tirer dessus, le jeu est forcément PVP. Mais s'il y a du gameplay PVE, le jeu est pas PVE. Des gros bisous à Stalante. Passe une très bonne journée.
Le griffing était le PVP selon le griffeur, oui, c'est selon la victime, non. Oh, c'est beau ça! C'est super beau! Alors, c'est un peu dommage qu'ils aient glacé l'intérieur. Je pense que ça aurait été bien si on voyait l'intérieur aussi. Re. Re. Alors. Ouais, je sais pas. Là, sur la fin, Razia, j'ai juste l'impression que tu valides les comportements oppressifs. Mais En fait, pour moi, c'est juste essayer de justifier d'être un griffeur. Je veux cette coupe de cheveux. Pourquoi on n'a pas les nouvelles coupes de cheveux? Ah, c'est cool, on a de l'extérieur. Dans SC, c'est un jeu capitaliste et prédateur, donc oppressif, pas du tout. C'est les joueurs qui le sont. Dans ce cas, si je te donne une arme dans la réalité, tu vas forcément te mettre à tirer sur les autres. La musique et l'ambiance, je suis vraiment perplexe, je m'attendais pas à ça dans le showroom. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, vraiment perplexe. Ouh, l'eau elle est pas... L'eau elle est pas... Disons que pour ma petite phrase de conclusion, je dirais que c'est pas parce qu'on a quelque chose devant nous qui nous permet de faire une autre chose, on doit le faire en disant oui, bah, l'outil était là. Parce que c'est juste une façon de se dédouaner de notre propre action. On peut prendre un marteau et tuer quelqu'un, le marteau n'est pas fait pour, et on est seul responsable de nos actes. Et même une arme en soi n'est pas faite pour tuer. Au sens strict du terme. Et à partir du moment où tu tues quelqu'un avec une arme, on est responsable de cet acte-là. $4 925 000. Oh non, ils ont enlevé les boutons. La tristitude. C'est très aérien comme showroom. Je me dis qu'en hiver, s'il pleut, ça doit pas être la fête. Dans la vraie vie, si tu t'en sers, tu risques la prison. Dans l'essai, c'est pareil. Oui. Je sais pas ce que ça apporte comme phrase, mais oui. Alors là où je suis, il y a la tête du vaisseau qui est animée. Il y a un bouton play. Ah, sérieux, il y a une animation? Oh, ouais. Je l'ai pas vu. Enfin, j'arrive. J'ai vu la tête. Et du coup, regarde la hélice. Oui, je l'ai pas vu. T'as juste appuyé sur play sur le petit truc devant. C'est génial. Là, il est en train de se refermer. Ah, mais sur ça qu'ils avaient opacifié la vitre. Alors, je me demande comment ça fonctionne.
c'est un peu la magie. Un peu la magie, mais c'est beau. Mon panel préféré de hier. L'argument du « si je te donne une arme, je jubile ». Pourquoi ? Alors non, c'est un showroom pour présenter les vaisseaux de Crusader. Il n'y aura pas d'event à cet endroit-là. Mais un event qui est l'Aero Expo, qui arrive dans pas très longtemps. Et qui se passera à Horizon. La justice n'est pas totalement juste. Non, en effet. Mon panel préféré. Ben, j'ai beaucoup aimé celui de la démo, forcément. Je repars, Edon. Oui, de toute façon, moi je suis déco, je pense. Hein. J'ai beaucoup aimé la démo, forcément. Je crois que j'ai bien aimé la présentation des planètes aussi. Oh, j'ai des drops sur la caméra. Ah, merci beaucoup, Thompsoner. Ouais, j'ai beaucoup aimé la présentation des planètes, leur nouvelle façon de procéder pour donner du sens aux planètes plutôt que juste faire un truc joli en un clic. Essayer de trouver un peu des autres approches, de voir que la mousse, par exemple, leur plaisait pas au début. Même si les couleurs et la mousse en elle-même ça marchait, le fait que les tapis fonctionnaient pas. J'ai bien aimé tout ça. Je crois que, en dehors de la démo, ça a été mon truc préféré. Je sais pas si toi t'as eu un truc comme ça, Eno. Excuse-moi, je t'écoutais pas du tout. Ah, sur le panel préféré, je disais que moi c'était la planète tech en gros. D'accord. Je sais pas, je saurais pas dire. J'y avais pas réfléchi, je saurais pas vraiment pas dire quel était mon panel préféré. Mais après, avec la prison et tout ça, vous vous éloignez du sujet. Hein. Et quelle est la différence entre quelqu'un qui n'a rien demandé et un joueur dont on... C'est la vraie question. Je vais regarder si je vous envoie chez quelqu'un. Alors, dans les gens chez moi, il n'y a personne que je connais. Le seul Tim Mike, c'est un Américain. C'est justement un jeu, on peut faire des choses interdites. Ça n'a pas de sens, cette phrase, Chris. Il y a Yannok. Dans ce cas, tu peux voler de l'argent en piratant le jeu. Effectivement, si c'est interdit, tu peux pas le faire. Ah, il y a Commander, parce que je le voyais pas. Ah bah oui, il est en live, bah, je vais commander. Alors sur YouTube, du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et sur Twitch, du coup, je vous envoie chez Commander Fran. C'est ça que tu voulais dire, le recopier. C'est ça que tu voulais dire, le recopier. Et le reset, tu fais ça comment ? Et je vous fais plein de gros bisous. C'est tout à fait d'accord là-dessus, Roxy. C'est en ça que je disais que c'est le jeu qui nous impose de pouvoir être agressé par des vilains. Mais c'est là où je suis pas d'accord, parce que c'est un choix conscient que toi tu fais. Parce que je veux dire, là tu reposes la fatalité sur la victime. Moi je vois la personne qui a choisi de le faire, mais c'est une discussion qu'on pourra avoir une autre fois. Merci à tous de m'avoir suivi ce matin, c'était vraiment génial. Merci Raziel d'avoir pris le temps de discuter et d'être resté calme et posé, c'était vraiment très très cool. Snow, je sais pas si t'es parti, des bisous aussi. Merci à tout le monde d'avoir participé à la discussion. Désolé, c'est une discussion qui s'est longuement étirée, mais c'était sympa. C'est toujours cool d'avoir des points de vue différents et de voir
Comment ça fonctionne? On espère ne pas t'avoir saoulé. Non, tu m'as pas saoulé. Pas du tout. C'est que j'avais vraiment du mal à comprendre. Et je pense qu'on peut rester sur des points de désaccord. En tout cas, merci à tous. Très bon appétit. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Et c'est parti. Ouais, en fait, je pense que si. En fait, non, ça doit être quand tu ramènes quelqu'un qui est complètement cuit, que tu le poses sur le lit. Donc ici, tu supprimerais rien du tout. Ok. Oh, merci Roxy. Oh, ça, c'est super cool. On essaye de lancer le PTU. Ouais. On va bien réussir à lancer. Hein. Je vais sortir du launcher. Voilà, on va le relancer. Bonjour tout le monde, vous qui êtes là. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon moment avec Roxy. Coucou Roxy, un grand grand merci pour ton raid. J'espère que vous allez bien. J'essaye d'aller voir dans le PTU, mais pour l'instant il est